les amis. Non, les amis, faut que je parle sérieux. Ah, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez, le chat? J'ai envie de pleurer. Les gars, j'ai lancé le live parce que je vous ai promis que j'allais live. Mais je crois qu'il y a un problème. J'ai mal aux couilles. En fait, je sais pas si j'ai mal aux couilles, mais j'ai trop mal, frère. Là, en venant à Webedia, j'étais dans ma voiture et là, j'ai une douleur. Je dis, c'est quoi? Je fais, c'est bon, ça va passer. Là, plus ça... Ah, ça... Les gars, faut que vous m'aidiez. Je me suis dit, je vais lancer le live, vous allez me donner une solution. Ah, putain de merde. J'ai trop, trop mal. Les gars, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas... Dans le chat, est-ce que vous allez bien? Merci à tous ceux qui sont là, qui mettent le pouce bleu, qui s'abonnent. Ah putain. Les gars, faut que vous m'aidez. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce qui se passe. Écoutez. Bon, je vous fais pas un schéma. Ici, il y a. Ah, la tête de homme, j'ai trop mal. Oh putain de merde. Les gars, honnêtement, je vous le dis ça. Je pense que le live, j'arriverai pas à le finir. Quand je vous dis. Ah, c'est bien. Attends, je vous montre, je vous fais un schéma. Attends, je vous fais un schéma. Ah, sa mère. Ça fait trop mal, frère. En fait, je suis allé aux toilettes. Je me suis dit, je vais me toucher les couilles pour voir si j'ai mal aux couilles. J'avais pas mal aux couilles. J'ai mal au-dessus des couilles. Ah, putain de merde. Non, mais les gars, quand je vous parle, c'est ça. Attends, je vais essayer de vous faire un schéma. Ok. Je vais prendre ça. Vous voyez? Je vais dessiner. Il me faut un stylo, putain. Il est blanc. T'as déjà vu un stylo blanc? Ok. Where's the new? Alors. Donc là, il y a mes deux jambes. Attends. Il marche pas. Mais c'est quoi ça encore? Il y a des stylos. Oh, putain. Ok. Je vous fais un schéma. Comment on va sur un truc pour dessiner sur internet? Dessiner en ligne. Voilà. Attends, les gars, faut que je vous montre, faut que vous m'aidiez. Dessiner sur l'ordinateur. Ok, c'est parfait. Ouais, je m'en bats les couilles. Oh putain de merde. Oh, comment j'ai trop mal. Oh non, mais les gars, je pense que je vais aller à l'hôpital. Hein. Mais j'ai pas envie de montrer mon zizi au mec de. Ah, attends, je vous fais un schéma. Merci Manu. Ah, je vous fais un schéma. T'as mon cul. Donc ça c'est mon cul. Voilà. Là t'as mes jambes. Donc là t'as mes jambes. Voilà. Ici. Là. T'as ça. Voilà. Et moi j'ai mal là. Attends. Zone rouge. Attends, j'arrive. J'arrive. Ah, la tête de homme, j'ai trop mal. Il y a mon manteau en fait. Gros, j'ai trop mal. Je demande aux urgences. Je demande aux urgenciers du chat, gros, pour m'aider. C'est quoi ce dessin? Je leur montre où j'ai mal. Je vais leur montrer. Je suis en train de dessiner. Mais c'est quoi là que t'as dessiné? Je vois pas trop. C'est une jambe et voilà quoi. C'est quoi ça? Bah, c'est ce qui est entre les jambes. Tu vois pas là? Ça, c'est mon cul. Là. Attends, c'est... frère, il est big sa mère. Ah ouais, après, j'ai peut-être abusé là sur le dessin. Ah, t'as abusé? Ouais, je pense que j'ai abusé. Ah, parce que je me disais gros. Attends, tu vois un peu là, viens en live. Vas-y, attends. Dis-moi si j'ai abusé. Oh! J'ai abusé? Mais frère, t'as pas abusé, frère. Dis pas ça en live, bâtard. J'ai trop mal. Attends, mais comment? Mec, rajoute, hein. Ami, j'ai trop mal. Mais frère, rajoute, frère. Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît.
Ah, attends, mais t'as mal à où, à la bite? Attends, je te montre. Je vous montre où j'ai mal. Ah, oui. En fait, t'as... Donc, t'as la bite. Mais gros, rajoute. J'ai mal tu ici. Peux dessiner, là. J'ai mal là, regarde, tu vois, zone rouge. J'ai trop mal c'est... là. Et du coup, c'est quoi le rond, là? C'est les couilles. Les couilles, elles sont là, attends. En noir. Non, je vais les faire en vert, les couilles. Elles sont vertes, tes couilles? Ouais. Il veut pas me faire vert. Les couilles. C'est pas vert, c'est pas vert. Ah oui, c'est là. Mes couilles, elles sont là, du coup. Hein? Ouais. Ah oui, elles, elles pendent. Et moi, j'ai mal dans la zone rouge. J'ai mal dans d'accord. la zone rouge. Ça, c'est quoi? C'est où, ça? C'est ici. Ah, tu demandes au chat, justement. Et je demande, c'est quoi? Je demande, c'est quoi ma maladie? Mais rajoute... J'ai mal là, là. Rajoute un peu de longueur... Ah ouais? Ouais. Bah, frérot, attends, refais voir. T'es sûr de toi? Oh non, wesh, pardon, c'est mec, c'est choquant. Mais même tes couilles, elles sont énormes. Mais attends, touche, t'es sûr? Non, non, je... Attends, faut voir. Touche pour me dire si c'est là où j'ai mal. Vas-y. T'as mal là? Non, c'est pas là, c'est un peu plus haut. Ah, ok, ok. Attends, mais la tête d'Owam que j'ai attends, mal en haut, frère. Mais wesh. Les gars, aidez-moi, c'est quoi? Bon, vas-y, moi, je te laisse. C'est quoi que j'ai? Mais j'arrive vas-y. Après, je te ramène ton chargeur. Vas-y, à toutes. Ça va te soigner. À toutes, mais je pense pas que ça va me soigner. À toutes. Ah, putain. Les gars, j'ai trop mal. Mais attends, je touche mes couilles pour vous dire si je les ai envie. J'ai pas mal aux couilles, tu vois. Je peux les faire rebondir. Je peux les bouger, ça me fait rien. J'ai mal ici. J'ai mal ici. Ah, putain. Ah, les gars, c'est là. C'est des adducteurs. C'est quoi les adducteurs? Attends. Adducteur. Adducteur. Alors, attends. Adducteur. Image. Non, j'ai pas mal. J'ai pas mal là, moi. J'ai mal là. Ah, c'est peut-être ça. Adducteur. C'est ça, là? Mais j'ai mal un peu plus là, moi. Ici, au milieu, là. Torsion ou infection urinaire. Mais attends, mais les gars, j'ai eu ça aujourd'hui. Je suis allé à la salle, je suis revenu de la salle. Une heure après, bah, 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 ça tape. Côté droit, bah, bah. Et là, bah, ça, putain, ça me nique les deux côtés maintenant. Ah, mais les gars, là, je pense que je pourrais même pas finir là, je vais aller aux urgences. Ah, putain, j'ai trop mal. Merci, Scudaz. Mais en fait, je vous pose la question, c'est l'appendicite. Attends, je vais voir l'appendicite, c'est quoi? Appendicite. Ah, c'est peut-être ça. Non, non, moi j'ai pas mal là. J'ai pas mal là. J'ai pas mal là, les gars. J'ai pas mal ici, moi. Vessie. Douleur. Ah, c'est peut-être là. Ah, mais c'est ça. C'est là que j'ai mal, je pense. C'est là que j'ai mal. J'ai mal là, je pense. Je pense que j'ai mal ici. Attends, je vais... Attends, je vais appeler Joker parce que lui, il a déjà eu le truc des couilles. Mais j'ai pas le truc des couilles. Parce que je les touche, j'ai pas mal. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Si c'est ça, je me mets une balle. Je vais même pas à l'hôpital. Je veux pas montrer ma bite. Elle est trop petite quand je bande pas. C'est hors de question que j'aille à l'hôpital montrer mon sgeg. Hors de question. Putain, elle répond pas. Douleur. Messagerie Orange, bonjour. Mais je la pense personne que c'est que ça. Essayez de joindre n'est pas disponible. Putain. Infection urinaire. Infection urinaire. Ben c'est ça, non? J'ai trop mal là, moi. T'as tes règles. Comment? Moi, les gars, je vous montre ce que j'ai déjà eu dans ma vie. J'ai eu ça. Vous connaissez ça? Ça, je l'ai eu. J'ai déjà eu ça, moi. J'ai eu une hernie inguinale. Prends pas de risque, va consulter urgence, ça peut être dangereux. Mais... Oh, j'ai pas envie d'aller aux urgences, gros. Je vais pas montrer mon sgeg à l'infirmière. T'es un ouf. Torsion des couilles. Mais non, quand je touche mes couilles, j'ai pas mal. Est-ce que torsion testiculaire, quand tu touches ta couille, t'as mal? C'est quoi le pubis?
le pubis douleur. Ah, c'est ça. C'est ça. J'ai mal là, frère. Eh ben, j'ai ce qu'elle a là. J'ai mal là. Je crois que j'ai mal là. Mais comment c'est... Putain, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, gros. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Mais bien sûr qu'elle est minus, gros. Quand je bande pas, elle est minus. J'ai trop la haine. Je la monte... Moi, je monte pas à quelqu'un. Je monte à personne. Canule, Rena, peut-être si ça te fait mal. Ça me fait pas mal quand je pisse. J'ai pissé tout à l'heure. Tu t'es fait une contusion interne. Mais, attends. Merci, mon ref. Attends, les gars, je comprends pas dans le chat. Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, ce matin, j'avais rien? Je suis allé à la salle. Et 3 heures après, ça me fait ça quand je suis dans ma voiture. Pourquoi, les gars? Pourquoi ça me fait ça? Attends, respire. Quand je respire, ça va un peu mieux. Mais les gars, de plus le temps il avance, plus j'ai mal. Parce qu'avant de lancer le live, ça allait une heure avant. Et là, ça me faisait vraiment mal quand je lançais. Va au Androglog, fais une momographie. C'est quoi ça, mon ref? C'est le sport. Est-ce que c'est possible? Merci Damien. Est-ce que c'est possible quand j'ai les haltères là et que je force trop fort des efforts, ça m'extermine le... Oh putain, ça m'extermine en bas. Demande à ton coach. Vas-y, attends, je vais appeler Idriss. Les gars, en vrai, ça me fait peur, en vrai. En vrai, ça me fait peur, cette histoire, là. Je sais pas c'est quoi, là, mais ça me fait peur, cette histoire. Attends. Merci beaucoup, mon ref. Yo, j'ai déjà eu super mal au moment là. Quand je touchais aussi, j'avais pas mal, mais à 2-3 heures, ça va mieux. Ouais, Idriss, j'ai un problème. Ouais. Gros, j'ai trop pas mal aux couilles, mais au-dessus, j'ai trop mal. Aux couilles? Non, pas aux couilles, au-dessus. Au-dessus? C'est quoi? C'est à la haine, là? Le truc que t'avais avec ta go que t'avais dit? Le quoi? Attends, t'avais pas dit que t'as tellement tapé fort? Non, la hernie. Quand j'ai tapé au tennis, j'ai eu la hernie. Rappelle le truc de hernie, de la cicatrice que je t'avais dit, là. Ok. Bah, et... c'est au même endroit que j'ai mal. Et c'est où il y a les poils du sgeg. Vous avez déjà eu ça dans le chat? T'as jamais eu ça? Non, jamais ça. C'est quoi, c'est... Parce que là, je suis en live, je viens de lancer mon live, mais j'ai encore ultra mal. Oh lolo, et attends, aujourd'hui t'as pas fait de faux mouvements ou de... Mais je me demande si à la salle, quand je porte les haltères et que je pousse, j'ai avec poussé tellement fort que ça a explosé ma vessie. C'est possible ou pas? Ta vessie, non, c'est pas possible. C'est pas possible, mais l'hernie, c'était quoi que t'avais exactement, tu te souviens? Mais l'hernie, je pense, c'est quand j'avais fait un gros effort au sport, je sais plus si c'était au tennis. Et je l'avais eu d'un coup, et j'avais eu une boule dans au niveau des walps là, que t'as là. Oh lolo, et attends, t'avais vu un médecin pour ça ou tu te souviens juste? Bah oui, non mais oui, j'étais allé aux urgences, gros. Et le nom c'était hernie, mais il y a une suite. Hein? Il t'a donné un terme plus précis? Ou t'as juste dit hernie? Non, c'est une hernie. Vous connaissez une hernie dans le chat ou pas? Tu connais pas Idriss, parce que là je demande au chat, je suis en live. Oh, hey, fais gaffe, le chat il va te lancer, des ouais, t'as le cancer, t'es foutu. Non, j'espère pas, quoi. J'espère pas. Non, frère. Je pense pas, peut-être un faux mouvement. Et gros, tu sais que j'ai trop, trop mal. Là, ça se calme un peu. Ça monte, ça descend. Et je te jure, tu me fais peur. Mec, imagine, j'ai porté trop les haltères, ça a explosé. Ma mère, elle m'a dit ça. Avant le live, j'ai l'appelé, elle m'a dit, c'est le sport, t'as trop forcé. C'est pas possible. Attends, t'as appelé qui? Hein? T'as appelé qui? La daronne. Et elle t'a dit au niveau du sport, ouais, mais. Tu sais. Là, je t'avoue, je sais pas t'aider, ça me paraît bizarre ton truc. T'as jamais eu ça, toi? Non, jamais eu ça. Et je crois que même dans le chat, personne. Enfin, y'a pas beaucoup de monde qui a dû avoir ça. Hernie discale. Non, mais hernie discale, c'est pas là. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça fait une boule. Hernie discale, c'est au niveau des vertèbres. Attends, je regarde si j'ai une boule. Au pire, regarde mon live, tu me dis. Attends, à quoi? Tu fais quoi là? Tu montes tes trucs en live? Non. Je vais pas montrer en live, mais tu me rappelles si t'as une idée. Attends, ouais, je regarde, je vais en live et je te rappelle si. Vas-y, rappelle-moi. Va aux urgences en live.
Il y a un mec dans le chat, il a dit va aux urgences en live. Merci mon ref AZR, merci Jo, merci Andrologie spécialité médicale qui s'occupe. Merci pour ta donnée, c'est rien, faut juste que tu te reposes, tu prennes un médicament pour calmer. S'occupe de la santé masculine. Mais attends, je vais regarder si j'ai une boule. J'ai pas de boule, mais en fait j'ai mal. Est-ce que vous voyez où t'as tes poils? T'as ton zizi, t'as tes poils, j'ai mal là. C'est une pubaglaphy. Fais-moi confiance. Hernie inguinale, je te jure. Mais wesh, non mais ça me fait peur les gars. Venez, au pire, vous savez ce qu'on fait? Venez, on fait un truc. J'ai une idée. On live, normal. Comme si de rien n'était. Va à l'hôpital, t'imagines? Merci Sully. Mais non mon ref, je te dis, ça me fait ça aujourd'hui. Merci Benjamin. Va aux urgences, si c'est une torsion, tu peux perdre ton testicule. Mais c'est pas une torsion. Les gars, attends, dites-moi juste s'il vous plaît. Je vous en supplie. Dites-moi si quand je touche mes testicules, si ça me fait pas mal, c'est bon ou pas? Merci Wendy. Si ça me fait pas mal, c'est bon ou pas? Genre, torsion testiculaire, tu peux pas toucher tes couilles. Attends. Là, je me malaxe les couilles, ça me fait pas mal. Je suis en train de la bouger. Je la fais vibrer. Non, j'ai pas mal. C'est pas au niveau des couilles, les gars. C'est au-dessus, je vous dis. C'est dans le coin. Mon ref Buentizade. Merci, mon ref. Ça va aller. Merci, mon ref, les gars. Vous êtes trop gentils dans le chat à vouloir m'aider. Bon, c'est pas les couilles. C'est pas les couilles parce que sinon, j'aurais trop mal. Je pense que je serais en train de pleurer. C'est bon. Si je touche mes couilles et que ça va, c'est pas ça. C'est bon. Non, tu peux toucher. Non, c'est bon. Torsion, c'est pile sur la testicule. Donc c'est bon, ok, bon, c'est pas ça. Je pense que j'ai dû me faire mal, en fait. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû être dans une mauvaise position ou un truc comme ça, ça a dû me faire mal. Putain, et c'est quoi cette conversation qu'on a en live? Est-ce que vous pensez qu'un jour, j'allais lancer un live et vous dire, les gars, j'ai mal aux couilles? Est-ce que vous pensez que ça allait arriver? Merci Blitz, merci Mathéo. J'ai eu les mêmes douleurs que toi, c'est pubalgie. Regarde. Vas-y, je regarde. Pubalgie. Ah bah c'est exactement ça. Ah mais bah c'est au sport. Regarde. T'as eu comme moi, c'est ça. Pubalgie traitement. Attends, on va chercher sur internet. Pubalgie. Pubalgie du sportif, syndrome. La pubalgie est une douleur d'apparition progressive dont le siège et le bas du ventre, le pubis voire les adducteurs. C'est une technique forte sportive, inflammation de la symphyse pubienne, qui est articulation pratiquement immobile en avant du bassin en regard de la vessie. On retrouve fréquemment chez les footballeurs. Ok. Alors moi, à part la muscu, je pratique pas le football. On retient par exemple le cas de Franck Ribéry d'une pub qui soigne son meilleur niveau pendant quelques mois. Wow, attends, je vais avoir ça combien de temps là? Eh, ça dure combien de temps ça? Ça dure pas longtemps, ça. Ça peut être quelque chose de dangereux. Ok, les gars, vous savez ce qu'on fait? Je bats les couilles. Bon, il était beau le dessin ou pas? Mais là, j'étais à l'hôpital, j'avais mal au même endroit. Et j'ai une boule qui est apparue, elle m'a dit que c'était un ganglion. Ganglion aux couilles, c'est possible, ça? Enfin, au-dessus des couilles, là? Merci, les rats. Appelle le Samy. Le Samu. Mais les gars, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Merci, elle me sortit. Les gars. Là, j'ai un peu mal, mais je peux rester assis et parler. Je vais... désolé d'avoir cette conversation avec vous, mais au moins, j'ai eu des petites informations. Donc, vous m'avez aidé. J'ai l'impression que vous avez trouvé. Non, c'est juste 2 mois. Comment ça, 4 mois? Non, en plus, j'ai Paris-Roubaix dans 1 mois. Faut que ça se soigne. Faut que ça se soigne, frère. Bon, c'est pas ça, alors. Si c'est 2 ans, 8 ans, c'est pas ça. C'est pas ça, frère. Je dois avoir un truc à la vessie ou j'en sais rien. Attends, il y a mon coach qui m'appelle. Allô, Idriss? Ouais, je t'entends. T'as dit quoi? La pubalgie, je crois que t'as un peu vu. Ouais. Et ça, bon, c'est musculaire, c'est des inflammations des muscles autour... enfin, c'est des inflammations des muscles autour de la zone. Ouais. Et t'as vernis inguinal. Eh bah ça, j'ai eu ça. Ça, t'as eu. Mmh. Donc, en gros, ça, c'est quand t'as une forme d'une aponévrose qui est un peu affaiblie et les viscères poussent un peu et ça fait une petite boule qui ressort. Ouais, mais j'ai pas l'impression d'avoir de boule là.
T'as pas un trou dans la boule. Et ça me l'a fait que là, il y a 2 heures, t'as vu. Après, deux petites 2 heures après le sport. Et à la salle, t'as pas eu ça? Non. Gros, ça casse les couilles. Mais en vrai, ça pas besoin d'aller aux urgences. Ouais, j'attends et je vois à la fin du live, quoi. Vas-y, vas-y, bah je te rappelle. Vas-y, à toute, Simir, mon ref. C'est rien, ça m'est déjà arrivé, c'est un faux mouvement. Va aux urgences si t'es fixé comme ça. Merci, Antoine. Non, t'inquiète, j'irai aux urgences après le live si jamais. On va voir. Je live, on joue à Clash Royale, ça va me faire oublier la douleur. Et je me lèverai à la fin du live et je verrai, ok? Ok, les gars? Merde, les gars, je vais enlever la photo parce que c'est un peu trop allé sur cette application. Les gars, si... Ah, putain. Les gars, si vous voulez que je vous dise un petit truc. Vous savez, la dernière fois, quand Gotaga, j'ai joué avec lui et que je dansais dans mon studio. Est-ce que vous en rappelez, le chat? Est-ce que vous en rappelez de ce moment-là? C'est vrai que c'est bizarre, ce truc. Appelle le SAMU pour avoir des explications. Mais non, je vais pas les déranger pour ça, frère. Il y a pire que moi, là. Merci les gars, hein. Merci, vous êtes des cracks, mais... Ma mère, elle m'a dit d'attendre, donc... Je suis interne en médecine, appelle les urgences. Venez, on teste Clash Royale avant. Bref, quand je dansais avec Gotha, là, dans mon studio, vous me croyez si je vous dis que la police était devant? Police, avec des armes. Ils étaient devant mon studio. Il y avait de la police devant mon studio, frère. La dernière fois que j'ai dansé et que j'ai fait live avec Gotha. Et là, en fait, je vous dis ça parce que je suis arrivé à Webedia tout à l'heure. J'arrive à Webedia, voiture tout. Je vois la route, t'as une voiture de flic qui arrive, qui s'arrête devant moi et qui ferme le passage. Je fais « Wow, c'est jalais !» Je suis arrivé. J'ai tenté de prendre une autre sortie. Pareil, ils ont bloqué. Tout devant Webedia, encerclé de voitures de police. Je fais, c'est quoi ce bordel? J'arrive à me garer, j'y vais à pied. Je rentre, je vois police avec des armes et tout. Je fais, c'est quoi ce délire, frère? Et là, le policier me dit, ouais, on a reçu un appel à la bombe, machin. La dernière fois, on était devant ton studio, on t'a vu danser, on n'a pas compris, nanana. Frère, je crois que ça existait tard à l'époque. Je crois que c'est un gars qui a fait genre et il a appelé la police, frère. Pour rien. Il a fait déplacer la police. Frère, c'est trop... J'ai fait, c'est quoi? C'est quoi ça, frère? Gros, c'est n'importe quoi, les gars. Je vous jure. Gros, on vit dans un monde... Il y a vraiment des cons. Il y a vraiment des cons. Il faut le dire en français. Il y a vraiment des cons, frère. Je vous jure, les gars, il y avait des barrages de police autour de Webedia, frère. Le but du live, on va jouer à Clash Royale, les gars. On va jouer à Clash Royale, juste là, on parle un peu. Ah non, les gars, c'est trop fou. C'est trop fou. C'est à cause du vélo. T'as suivi l'histoire avec Spider-Man? Non, j'ai pas vu. Bref, voilà. En tout cas, il y a des gens qui... Faut pas faire ça, les gars. Faut pas faire ça. Les gars, vous êtes prêts? On va sur Clash Royale ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? On va sur Clash Royale, les petits refs. On va essayer de faire passer la douleur en jouant. C'est peut-être une hernie de laine, ma gueule, après le sport. Merci, mon ref. J'espère que ça va aller, en tout cas. J'espère que ça va aller. Si je vois que ça perdure, là, après le live, j'irai aux urgences. Mais en vrai, là, ça va. J'ai mal, mais je peux parler, je peux live, on peut jouer, voilà. Mais j'ai mal. Mais on peut parler, on peut jouer, quoi. Et c'est vrai que c'est bizarre, cette douleur, là. Je vous jure, c'est bizarre. Ça me fait un peu peur en vrai. Je vais mettre le jeu ici là. Mais en vrai, vous êtes gentil, vous êtes sympa, vous voulez m'aider quoi. C'est gentil les gars, vous êtes des cracks. Et Tari, comment tu vas? Mais j'espère, en vrai les gars, ça va aller, vous inquiétez pas. Ça va le faire. Je pense qu'on va aller mieux, on va changer les idées. Parlez pas de ça, faites comme si j'avais pas mal. Je fais comme si j'avais pas mal et on joue. Et on va oublier. Et si cette strat marche, c'est mieux qu'un doliprane. Merci à ceux qui sont là, ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche. J'ai la barre quand je te vois. Merci mon ref. Tu vas grandir. Merci mon ref. J'ai la barre. Merci mon ref. Derrière toi.
Dinor, il va sortir le son. Ah, d'ailleurs, vous avez kiffé la vidéo de samedi? Est-ce que vous avez kiffé la vidéo de mon anniversaire et le son de Dinor? Tu fais une crise d'appendicite. Non, c'est plus haut l'appendicite. C'est caté, c'est musculaire. Merci Rebecca. Je pense que c'est musculaire en vrai. T'es caté, c'est. De toute façon, dès que je sais ce que c'est, les gars, je vous dirai. Si jamais j'y vais voir un médecin et je vous dirai c'est quoi. La douleur, il faut boire beaucoup d'eau. De toute façon, là, on va jouer. On va jouer. Regardez mon nouveau deck, les gars. Je me suis fait un nouveau deck. Oh, j'entends pas le son du jeu. C'est normal? Ah non, je l'ai désactivé. Ok, c'est bon. Je me suis fait un nouveau deck. Vous allez me donner votre avis. Vous allez me donner votre avis. Je vais baisser un peu le son. Petite question, tu utilises quoi comme logiciel pour tes prods? FL Studio, mon ref. Merci beaucoup. T'es le best YouTuber. Merci, Alon. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok, c'est parti. Vous me dites si mon deck est d'art ou dites-moi ce qu'il faut que je change. Ok? Merci, Guigui, pour ton sub. D'ailleurs, faut que je me fasse un overlay Clash Royale parce que là, c'est bien beau, mais mon overlay, il est un peu à l'arrache. Hein. Ah ouais, lui, il a l'écro, lui. Qu'est-ce qu'il nous fait, l'amigo, là? On fait une défense en béton ou pas? Oh, il a niveau 11, son truc, là-bas, là. Oh, ça va faire mal. Ok, parfait. On va s'entraîner, les gars. Je vais essayer de monter en trophée. Je m'entraîne pour mon tournoi. C'est quoi cette armée de squelettes gâchés, là? Propre le deck ou il est claqué? Dites-moi s'il est claqué ou s'il est propre. Ouais, Mich, mets devant la porte. Cimer, mon ref. C'est chaud. Deck de raciste. Comment ça, deck de raciste? T'es à chier. Ah ouais, franchement, sympa, les gars. Il est nul ou il est d'art, mon deck? En ça. Il est d'art, mon deck, non? De toute façon, si on gagne, c'est qu'il est d'art, en vrai. J'en déduis qu'il est d'art. Level 8. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il faut que j'améliore mes cartes ou pas? Ah, mais là, je suis dans la merde, par contre. Je sais pas comment je vais faire. Comment je vais faire, là? Pour défendre un P.K. Je suis mort. Je suis mort. Le PK, lui là, il va me faire mal. Je fais quoi, lui? Je le défends avec quoi? Ouais, là, je suis dans la merde. Son PK, il va me casser les couilles. Il est d'art, rincé. Il est d'art, ça va un peu. Ok, là, j'ai le x2. Je vais faire du sale. Pas ouf. Quel plus fort. Il est trop bien, ton deck. Attends, déjà on va voir comment je vais défendre le PK. Normalement la Tombstone elle fume le PK normalement. Donc normalement on est tranquille pour longtemps. Oh non, il m'a... Oh là, il m'a mis bien dans la merde. Alors là je suis dans une belle dé. J'ai perdu, allez hop, c'est bon. Lui par contre c'est un raciste, tu vois. Lui par contre faut le dire, c'est un raciste. Ouais voilà, faut le dire, c'est un raciste, frère. Fume-le. Bon, on va dire que c'est la game de chauffe, les gars. On va faire passer ça sur la game de chauffe. Putain, ok, son PK, je le fume. Ah, mais j'ai pas le temps. Ok, on va jouer la strat comme ça. À tout moment, ça passe. Ah non. Ok, bon, première game de chauffe. Non, j'ai un problème avec le, je suis arène 12. Et je trouve pas de bon deck. Mec, moi aussi, j'arrive pas. Merci mon ref. Grosse dédicace à Iana, Shaina et Sukaina. Merci beaucoup, t'es un crack. Tes cartes ont pas assez de level. Faut que j'améliore mes cartes, les gars, pour gagner. C'est un deck de gratteur, ouais, mais faut que je sache gratter. Mais là, je fais comment? Comment je les améliore, les gars? Est-ce que vous pouvez me dire comment je les améliore quand j'ai rien pour les améliorer? T'as pas de win condition. À la place de boule de feu, mets des flèches. Tu places mal tes cartes. Il y a toujours... T'as pas de win condition. C'est quoi ça, win condition, les gars? Ou une condition, c'est gobelin. C'est ça, non? C'est pas bien, ça? Pas fou du tout. Genre, attaque au sol, chevalier, valkyrie, miné, P.K. Pas de win condition. Et si je mets un chevaucheur de cochon à la place de ça, c'est mieux ou pas? En vrai, il est pas dégueu, là, non? Joker? C'est quoi, Joker, les gars? Mets les Jokers. Mais je les ai tous claqués, non? J'améliore quelle carte, là, avec le Joker? En fait, j'ai pas de carte épique.
J'ai pas de carte. Salut, coup de ton excitant de passer une bonne soirée ensemble comme d'habitude en espérant que tu guérisses. Merci Florian, ça fait plaisir. Merci beaucoup mon ref. Ouais, j'ai pas un passe royal. Je l'achète ou pas? Ouais, c'est bon, je l'achète. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, les gars. Vous voulez que je vous donne une bonne nouvelle? Est-ce que vous voulez entendre une bonne nouvelle, le chat? Est-ce que le chat voulait entendre une bonne nouvelle? Attends, j'ai été déconnecté, du coup. Je vais acheter le pack de combat, là. Voilà. Je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Attends, acheter. Les gars, normalement, d'ici le prochain tournoi Clash Royale, j'aurai mon code créateur dans le jeu. Et oui, les gars. On aura le code créateur dans le jeu. Oh non! Je sais pas si je l'ai acheté. Je l'ai ou pas, le Clash Royale? Ça me l'a acheté ou pas? Ça me l'a acheté ou pas, les gars? Comment je sais si je l'ai? Je crois que je l'ai pas acheté, du coup. Attends, merde. Merci Jonas, merci mon ref, merci beaucoup. Pour le prochain tournoi Clash Royale, les gars. Ah oui, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Recharger, c'est bon. J'aurai un code créateur, les gars, InoxTag, vous pourrez le mettre. Et ça marchera sur le jeu. C'est carré, non? Est-ce que c'est dard? C'est rentable ou pas le code créateur dans le jeu? Merci Noé. Merci beaucoup, merci JoyJog, ça fait plaisir. Est-ce que c'est dard d'avoir code créateur sur Clash Royale? Attends. J'ai le passe royal, du coup je peux récupérer les récompenses. Venez, on récupère les récompenses, j'essaye de booster mes cartes. On finit bien le deck. Et on essaye de grind de ouf en trophée. On essaye de perdre aucune game. Non mais là je l'ai pas encore le code créateur. Mais ils vont me le mettre, merci JoyJock. Ils vont me le mettre bientôt. Ça sera quand? Oh, j'ai eu un truc légendaire. Merci JoyJock, merci beaucoup pour ton sub. Ils vont me le mettre avant le tournoi. Donc d'ici moins d'un mois, je vous dirai de façon quand j'aurai mon code créateur. Comme ça vous pourrez mettre mon truc. Ouais, c'est dard. Trop dard, nice ça. En vrai c'est carré hein. Rentable et c'est dard. Et vous, ça vous donne quoi si vous mettez mon code créateur? Quand il y sera, là il y est pas encore. Mais quand il y sera, ça vous donne quoi vous? Attends, je vais mettre je vais booster mes cartes. Faut que je booste mon bouliste. Je vais booster mon bouliste. Après c'est vrai que mon bouliste a pas un niveau de ouf quoi. Et là il me faut plus de cartes pour l'améliorer. La Tombstone, elle est niveau 8, c'est pas ouf. En fait, j'ai toutes mes cartes niveau 2, niveau 9. En mode, c'est pas ouf en fait. La Tombstone. Ah, mais c'est Tombstone, c'est pas ça. C'est ça, Tombstone. Je vais améliorer la Tombstone. Voilà, comme ça, on a la Tombstone améliorée. Rien. Ah, vous, ça vous fait rien, vous? Le code créateur? Ah merde, je pensais que ça vous faisait une petite promo de moins 5%. Ah ouais, ça vous fait rien? Bah mettez-le quand même, ça me régale moi. Bon, il est pas encore sorti, mais... Putain, je pensais que ça vous faisait un truc, moi j'ai le seum. Oh, ça booste n'importe quelle commune. Ouais, mais on va pas mettre. Ouais, bon en vrai c'est dommage, le niveau de mes cartes est pas assez élevé. J'ai vu, il y en a des fois, ils mettent de l'argent. J'ai tellement... Tu me fais kiffer tous les jours, merci Alon, ça fait plaisir. Grosse dédicace à Raphaël. Merci mon ref. Ok, c'est parti les gars, dites-moi comment bien placer mes cartes alors. Dites-moi comment je la joue. Est-ce que avec mon deck je dois jouer attaque ou je dois surtout défendre et contre-attaquer? Ok, bon là il met une TDE. Donc je vais devoir attaquer électro-sorcier à chaque fois quoi. Parce qu'en vrai les gars, moi je le trouve pas dégueu mon deck là. Franchement je le trouve bien. Ok, bon là le fut gobelin il va le niquer. Ah oh ouais, il a pas tant de mal. Tu vas quand parler? Dans un mois mon ref. Pour mon tournoi Clash Royale, je sais pas s'il y aura des abonnés. En tout cas, il y aura quelque chose pour les abonnés. Et c'est sûr. Pour le tournoi définitif entre streamers, je sais pas si je mettrai des abonnés. Par contre, il y aura un tournoi individuel avec les abonnés. Je vous préviendrai quand il y aura un tournoi d'abonnés avant le tournoi. Je vous préviendrai à l'avance. Et faudra... venir sur un live, ça sera en live que je le ferai. Ah, il va remettre la TDE. De toute façon, je vous préviendrai, vous inquiétez pas, les gars. Faut qu'on gratte façon là. Là, j'ai une win condition ou pas, les gars?
Est-ce que j'ai noué une condition? Et la princesse, je mets ma bûche tout le temps. Est-ce que je nique ma bûche tout le temps? Ton deck, c'est un deck full de défense. Il y a bouliste et archer magiste. Regarde comment ça va faire le taf. Regarde. J'ai rien dit. En vrai, ça fait quand même le taf, mais sa princesse là-haut. Sa princesse, là, je la nique en bûche ou pas? À chaque fois, je lui mets des coups de bûche ou pas? Ok. On va repartir sur la paire tombale. Je pense, ouais, la princesse, les gars, faut pas que je la laisse gratter. Remplace cochon par cimetière. Le problème, c'est qu'il va me gratter. Comment je défends ces gobelins, les gars? Ah bah, faut que je garde la bûche. Mais non, bah ouais, mais il y a la sorcière, là. Putain de sorcière de merde. Je peux pas aller la tuer, hein. Oh non, oh non. Oh, il casse les couilles. Mais il a miroir ou quoi là? Comment il fait pour m'en mettre autant? Ces trucs ils sont niveau 10, je peux rien faire. Il fait que gratter comme ça. Ok, je fais partir mon archer maintenant. Archer électro-sorcier. Ça je la vire maintenant, sinon elle va me casser les couilles. Ok, là j'ai une bonne attaque. Chevaucheur de cochon maintenant. Il va mettre TDE. Electrozap. Oh, j'ai une bonne attaque là, je crois. Ouais, ça va le faire. Let's go, les gars, let's go. GG. Première game de la soirée. Première game de la soirée, les gars. Ok, je pense que j'aurais dû BDF la sorcière. Enfin, la princesse. Et je m'ébuche sur tout le temps les petits gobelins. Bon, première win de la soirée. Maintenant, objectif. Les gars, on se donne un objectif de trophée. On arrête le live à combien de trophées, les gars? Venez, on se donne un petit objectif, histoire qu'on tryhard. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là, qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Joue mon deck, j'ai gagné 1000 trophées. Joue bébé dragon, bûche, tour de l'enfer, armée squelette, chauve-souris, méga chevalier, électro, sorcier, chevaucheur. Merci Florent, merci pour tes conseils, mon ref. Achète MK boutique 40 000 pièces et mets Joker dessus. Merci mon ref, c'est quoi ça? Bah vas-y, on le fait après si vous voulez. Merci pour les GG, les gars, vous êtes monstrueux. Matamstone fait le taf. Elle va se faire niquer par le... Oh putain, alors lui va bien nous faire chier. J'ai fait de la merde, j'ai trop mal placé mon gobelin. Ok, de toute façon il pourra rien faire parce que regardez, j'ai le counter. Est-ce que je mets le counter? C'est du gaspillage d'élixir en vrai. Oh voilà, voilà l'analyse les gars. 5000, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver en un live à aller à 5000? Alors ça, ça pue la merde. Est-ce que vous pensez que 5000 c'est possible en un live? On monte à 5000 trophées. En vrai je suis chaud hein. Faut juste que on... Parce que les gars, j'ai pas trop de... J'ai pas trop mes cartes niveau max quoi. Il y a un moment ça va poser problème je pense. Zap. 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 Parfait, ça fait rien du tout. Oh lui aussi il a un bouliste. Parfait, ça touche la tour. Regarde, regarde, c'est magnifique les gars. C'est magnifique. Il peut rien me faire. Putain là. Non, la boule elle va tuer l'archer. Oh j'ai trop le seum. Mais par contre ça, j'ai fait des dégâts de ouf les gars. C'est dur. Vas-y on va le tenter alors. On va essayer de rush à 5000 trophées les gars. On va le faire ensemble. On pourra dire j'y étais. Rush 5000 trophées. Je vais mettre bouliste tank. Et lui, pour venir tirer sur le dragon. Parfait. Ok, on est en x2 maintenant, les gars. Vas-y, 5000, les gars, on va tenter. Rush tout 5000. Qui y croit dans le chat? Ok, il me fait partir un petit bouliste. Bah, là, on n'a pas le temps. Hein. On va aller tranquillement chercher la tour. Électro. Voilà, c'est sûr, il va faire partir ça. Mais là, on est tranquille. On remet une tombstone. On part sur une défense, on a déjà une tour. On va pas essayer de grid une deuxième. On a déjà une tour. Normalement, de toute façon, il va prendre sa bûche si jamais ça touche pas. Ok, il prend sa bûche. Je mets bouliste défensif.
Parfait. Et maintenant, électro-zap à ce niveau-là. Voilà, comme ça, le dragon de l'enfer fait rien. GG. GG dans le chat. C'est terminé. J'ai encore un peu mal. J'ai encore mal, les gars, mais en vrai, ça va. C'est... Je pense vraiment que c'est musculaire, en vrai. En fait, c'est bizarre un peu. J'ai encore un peu mal, mais vas-y, en vrai, c'est jouable encore. En vrai, ça va. Merci les BG de ceux qui sont là, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Merci beaucoup les gars. D'ailleurs les gars, on se rapproche petit à petit des 5 millions. Je tiens à vous remercier tous les gens dans le chat qui m'encouragent, qui me soutiennent. Vous êtes des cracks. Et j'espère que les vidéos dans ce moment vous plaisent. J'espère que vous kiffez la chaîne en ce moment. En tout cas, moi je kiffe l'énergie que vous dégagez en ce moment. Vous êtes des cracks, hein. Je vous le dis. Vous pouvez vous applaudir, vous êtes des génies. Oh, il y a Gota qui joue. Mets ton cochon vraiment sur l'extrémité. Quand tu le mets au pont et pas dans l'axe. Ok, ok, ok. C'est vrai que ça joue à des pixels des fois. Ok les gars, on a 2 wins d'affilée. On va essayer de faire un max de wins d'affilée. Comme ça on va voir si notre deck il est vraiment surcheaté. Ok. On est d'accord, je la BDF tout le temps elle. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que elle faut que je la BDF? Moi ma méta les gars, c'est bulliste électro. Enfin, bulliste archer. Ok, ça, ça va poser beaucoup de problèmes. Je sais pas comment jouer là. Ok, parfait. Ça a été maîtrisé parfaitement par l'archer magique. Et en plus, on gagne un boost d'élixir. Et là, on peut attaquer avec le cochon. Cochon sorcier. C'est magnifique. Magnifique. Normalement, on prend la game. Normalement, on prend la game, les BG. Oh putain, merde, j'avais pas vu le. Je pense que le bullis contre lui, c'est la meilleure des. Oh, je suis dans une vraie de merde. Ok, les gars, dites-moi, je fais comment? Le chat, dites-moi, je fais comment? Parce que là, je suis dans une vraie de merde. Je suis dans une vraie de merde. Oh non. Oh. Ah là, je suis dans la merde, putain. Concentration niveau max. Ça passe en mode tryhard. On passe en mode tryhard. On n'est plus là pour jouer. On est là pour gratter. Oh les gars, je suis dans une merde là. Alors là les gars, je suis dans une belle merde. Faut que j'aime ma BDF. Ok, parfait. Il a plus d'élixir. J'ai rien dit. Putain, il joue sort de rage, molos. Ah, il est voleuse là-bas, il m'a mis ma voleuse. Merci Sabrina, merci beaucoup, t'es une craque Sabrina, merci Gelé. Merci, grosse dédicace de Novan. Let's go, on est allé la chercher de loin. Je pensais qu'on allait se faire niquer. Je pensais que là on était terminé. Mais on a su bien défendre. Parfait ça les gars. Il nous reste 300 trophées pour les 5000. On est à 3 wins d'affilée. Pour l'instant le deck est maîtrisé les gars. Pour l'instant 3 wins d'affilée. Merci pour les GG, vous êtes incroyables. Incroyable, ok.
Ça, je le nique avec quoi, ça? Bouliste, hein, ça va faire le taf. Hein. Un camp en live où tu parles à tes abos sur Discord? Bah, je parle souvent au petit Jonas. Hein. Bah, je suis tout le temps en train de parler avec vous dans le chat. Merci, Jules. Dans le live, je suis souvent en train de parler avec vous. Ok, ça fait... Ah bah non, c'est bon, c'est counter. Mon bouliste va y passer, mais... Oh, le gros raciste, hein. C'est rare, hein. Oh la défense. Oh la défense. En béton. En béton les gars. C'est du béton armé. C'est Inox, petit cadeau pour Danif. Merci beaucoup Matt, t'es un crack. C'est quoi ça? Il a un miroir les gars. Il a un miroir là, on est d'accord. Merci Moray pour ta donation, merci beaucoup. Ok, donc lui c'est vraiment un raciste quoi. Miroir fut de gobelin, il a pas de vie quoi. Comment je la gagne les gars, miroir fut de gobelin? Comment je counter? Comment je counter les gars? Mon bouliste, il a trouvé le counter. Ah, je suis mort, je peux pas gagner cette game. J'ai mis ma boule de feu comme une de merde. Voilà, ah, j'ai fait de la merde. Pff, oh les gars, je suis dans une merde. Électro-canalise le zapping. Ouais, lui il va me faire chier. Mets le boulis derrière la tour, boule de feu. Boule de feu, j'utilise pour ça. Pour le miroir, j'utilise la boule de feu. Ok, je vais essayer de me créer une mini armée derrière. Oh, j'ai tenté un move. Oh, j'ai tenté un move. Oh, t'es mal raciste, frère. J'ai jamais vu ça. Mais j'ai rarement vu ça. Va falloir attaquer de l'autre côté, là. Oh non. Il va tout niquer toutes mes troupes en un coup. Il nique ma BDF. Mettre une emote. Merci Alun, merci Alan. Il ose mettre une emote, putain, mais non, mais comment c'est possible? Quel raciste, putain. Oh, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Oh les gars, j'ai le seum. Allez, on renchaîne une game, c'est pas grave. Ça arrive, il a été meilleur. On va dire qu'il a été meilleur. En vrai les gars, j'ai fait bien joué, hein. Bien joué, bien joué. J'ai fait ça, allez hop, ça dégage. Oh, j'ai trop le seum. Oh, le karma que je viens de prendre, il était trop sale, Axe. Oh, le karma que je viens de prendre, il était trop sale. 12 HP. En vrai, j'ai pas de chance. Hein. J'ai vraiment pas de chance, les gars. Ça va, et toi, Yanis? Merci pour ton sub. Pourquoi il met au 0 carte? Ok. Ok. Bah, vas-y, on va. Ah ouais, il attendait juste que j'attaque comme ça, en fait. Ok. En vrai, je m'en fous, j'ai gratté un peu. Hein. En vrai, mon mini gobelin, il gratte bien. Oh, le karma que j'ai pris, les gars, c'est trop sale. Pourquoi ils jouent tous cette carte, hein? Ah, il veut jouer rage. Ok. Lui, les gars, sa méta, c'est rage. Rage gobelin. On va voir. Attends, j'ai débranché mon casque. Je vais faire exprès. Ok. Lui, c'est rage gobelin. Karma 9 élixir. Ouais, j'ai trop le seum. Trop le seum. Comment on va le jouer, lui? On va jouer tout simplement comme ça. Électro-sorcier, bouliste. Normalement, on counter le chevalier.
enfin le chevaucheur. En vrai, faut que t'écoutes plus ton élixir. En vrai, mon élixir, je la joue bien, les gars, ou je me précipite trop. Grosse dégâts, je viendrai bientôt à Genève, mon ref. Aïe. Ça va me faire mal, ça. Boule de feu, elle va prendre, je pense. Hein. Prends ton deck, frérot. Prends mon deck. Merci, mon ref, t'es un crack. Mais en vrai, mon deck, là, je l'aime bien. En vrai, il est pas dégueu, dégueu. Allez, il va mettre des petits dégâts à la tour. Le live dure combien de temps? Vous voulez que le live dure combien de temps, le chat? Vous êtes là jusqu'à quelle heure, le chat? Dites-moi. Et bah, c'est parti. Je vais faire deux attaques. Vous êtes prêts, le chat? Regardez, ça va être sale. Laissez-moi préparer. Ok, laissez-moi préparer mes deux méta. Des deux côtés, hein. Ça va être du le sale. Hein. Est-ce que ça va passer? Attaque des deux côtés, osé mais risqué. Et bah c'est complètement loupé. Peut-être que je vais quand même faire des dégâts. Hein. Alors, complètement loupé. J'arrive à gratter petit à petit, à mettre des coups. Ok. On repart sur un sorcier magique. Vingt-deux heures. En vrai, les gars, on va jouer plus tard, je pense. Un peu plus tard. Moi, je dis, on fait 5000 trophées et je coupe le live. Hein. 5000 trophées et je coupe le live. Hein. Merci, les BG. Vous êtes des cracks. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Ça fait plaisir. Merci, Shinzi. Merci, Shunako, pour ta donate. Merci beaucoup. Merci, Shinzi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Vous êtes des cracks. Hein. Remercie du fond du cœur. Parfait. Oh, j'ai mis le chevaucheur du mauvais côté. Je suis teubé. En vrai, je m'en fous de ce côté-là. Juste à jouer le temps et j'ai gagné, mine de rien. Juste à jouer le temps, défendre. Elle dégage, elle va me saouler. Voilà. Et là, je vais faire partir chevaucheur. On fait partir... 1, 2, 3, parfait. J'ai électro-sorcier, ça va faire trop mal. Oh, il touche pas la tour, l'électro-sorcier. Oh putain, il joue bien le temps là. Hein. Pour l'instant, la défense est sur solide. Hein. Elle est plus que solide, ma défense. Et ben, on va la tenter comme ça. Bah, alors là. Alors là, mon ref, je te regarde. Alors là, mon ref, je te regarde affronter ma défense plus que puissante. J'ai double archer. Double archer boulis, ça fait trop mal. Hein. Double archer boulis, ça va faire trop mal. Hein. Ah, il a double sorcière là-haut. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Faut surtout pas que ça touche. Faut surtout pas que ça touche, sinon je suis mort. Surtout pas. Ah non, c'est bon, j'ai 1000. Oh putain, j'ai eu chaud. Oh, j'ai eu chaud. GG les gars, c'est gagné. GG. On a joué avec le temps. GG à lui. Inox, si tu veux t'aider à passer combattant 1, c'est quoi le rang le plus haut du jeu, les gars? En France, c'est qui a le plus de trophées? Que je me fasse une idée. Bah parfait ça. On est en train de monter petit à petit, les gars. Je crois qu'on a atteint les 4700. Let's go, 4700 dans le chat. GG, premier palier. Vous pouvez vous féliciter. Premier GG. Premier palier, 4600, il nous en reste 300 à aller monter. Je vais récupérer les cartes. Peut-être qu'on va pouvoir améliorer nos cartes aussi. Je vais voir si on peut améliorer des cartes. Attends. Je fais quoi, bouliste? Moi, j'améliore mon bouliste. Voilà. Qu'est-ce que je peux améliorer d'autre? Ça, je peux l'utiliser. J'améliore mon chevaucheur ou mon petit gobelin? Chevaucheur, c'est un peu ce qui me permet de gratter, je pense. Chevaucheur. Et ça, bah, j'ai pas. Donc normalement on est pas mal. Merci pour le GG les gars. Merci beaucoup les gars. Le record c'est 8500. Il y a un mec en France, il a 8500 trophées là. C'est Viper 7200. Comme quoi? Ah ouais, les mecs sont chauds. Les mecs sont bien miteux. Hein.
8980 trophées. Ah ouais, ils sont chauds les mecs. Ok, alors là, je vais voir si mon gobelin Serbacane a à portée du canon. Ok, il a pas la portée du canon. Ah si, parfait. Parfait ça. Alors on va partir sur chevaucheur à gauche pour voir ce que ça donne. Ok, là, petite armée de gobelins. Normalement mon zap, il les fume tous. Mon électro zap. 1, 2, 3, ça dégage. Parfait. On part sur un petit boost défensif les amis. Merci beaucoup Razer. Tombstone. J'ai pas de troupe aérienne là pour le moment. Ça risque de faire très mal. Dans une belle de mer là. On est dans une belle de mer. Oh c'est bien défendu hein. En vrai les gars j'ai bien défendu ou pas le... Je l'ai bien défendu lui ou pas. Mon petit gobelin qui vient chercher des petits... Des petites tatanes, c'est parfait. J'ai bien défendu le monstre ou pas. Ou j'aurais pu mieux faire. Vous savez quoi d'être vieux un an de plus, t'as l'air fatigué, repose-toi. Je suis une fille. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous me trouvez comment là les... Vous me trouvez fatigué les gars? Je suis un peu fatigué c'est vrai. Mais ça me fait plaisir de live les gars. Bah les gars dites-vous, hier avec Gotha on a terminé la soirée à 4h du matin. Je me suis levé à 10h30 pour aller à la salle et tout. Donc en vrai ouais, je suis un peu fatigué c'est vrai. C'est pas faux. Mais bon. En vrai je passe un bon moment. On va battre la pierre tombale ici. Ok. On va taper comme ça. Normalement on va voir si ça défend bien. Juste ça. Je sais pas si je devrais mettre un électro zap. Je pense électro sorcier ça peut faire le job de ouf. Ouais de ouf. Oh là là c'est bien défendu je pense. Bon il arrive quand même à me mettre des coups à chaque fois malheureusement. En vrai je pense que petit à petit je commence à maîtriser mon deck. Alors ça, il fallait tout sauf ça. Je sais pas comment je vais faire, mais ça. C'est quoi ce machin? Quoi ce chien de racisme gros, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça gros. J'ai rarement vu ça hein, dans l'histoire de Clash Royale. Hein. Regarde comment il spam emote. Regardez comment il spam emote. Regardez comment il spam. On... J'ai trouvé Eric Zemmour. Oh merci Kawaii. Non mais c'est trop là. Il sort d'où lui? Gros, géant royal électro plus méga chevalier. Non mais c'est trop frère. C'est trop. Alors les gars là, je crois on a vu le plus gros hein, de tout Clash Royale. Je crois que ce soir c'est historique, on a vu le plus gros. On a vu le plus gros de tout Clash Royale. Gros, excuse-moi, mais c'est abusé, frère. Wesh. Il met un cochon à l'autre bout, lui. Ok, chacun ses strats. Ah, lui, c'était n'importe quoi, lui. L'ultime raciste du jeu, les gars. Ah non, lui, il a pas dosé sur son deck. Lui, il nous a fait un bon deck bien raciste. Bien aberrant, son deck, hein. Y'a un mec qui l'a dit Marine Zemmour. Non c'est trop. Non c'est trop le chat. Eh vous êtes des baisers dans le chat. Y'en a dans le chat, la tête d'homme vous faites trop rire. Des fois je regarde le chat pour rigoler en vrai. Je suis enragé ou pas ou... Normalement archer magique bully c'est un. Il me faut ma tombstone. Si je veux le niquer il me faut ma tombstone. C'est bon, ça dégage. Tombstone, ça nique le PK, les gars. Est-ce que Tombstone, ça nique le PK? Je pense que ça nique le PK, là, Tombstone. Je vais la garder de côté, comme ça, dès qu'il a son PK. Regardez, vous êtes prêts? Regardez le move. Le pré-shot boule de feu, regardez. 1, 2, 3, go. Magnifique. Oh, dommage. J'ai pu mettre deux coups, mais... Merde.
En vrai, je vais pas gaspiller d'élixir. Je vais préparer son PK qui va arriver. Les gars, le PK il va arriver, ça va faire mal. Parfait. Ok, il arrive par là. Je suis dans une belle de merde. Parfait. Défense en béton armé. Et là, maintenant, à moi de jouer. On attaque. Pré-shot des petites armées de squelettes. Parfait. C'est terminé, t'as plus de tour mon ami. Hop, on enchaîne avec une tombstone. Oublie pas de gonfler tes roues pour demain. Merci Kev, ouais, bah t'inquiète, mon vélo est prêt. Est-ce que t'as eu les larmes quand Andrea est parti au Mexique? Merci Razer. Bah ça m'a... ça fait toujours un petit coup hein. Mais je la vois en juin les gars, je la vois en juin. GG les gars, let's go. Merci Razer. Inox demain commence sur Twitch un événement pour la cause animale. Association qui aide les chiens, Akita. Peux-tu le partager? Bah n'hésitez pas à voir la chaîne de Ashia à partir de 18h demain pour un petit live associatif, ça fait plaisir. Un max de GG dans le chat. On avance petit à petit mais sûrement vers l'objectif 5000 trophées en un live. Aller chercher 4000 trophées en un live, ça va être chaud. Ah mais non mais j'ai perdu du coup. Ah mais je suis au même niveau que tout à l'heure en fait. Là faut que je gagne pour me rattraper là. Une case 3 avant. Les gars, la tombstone, dites-moi, faut que je la mette où? Faut que je la mette ici. Dites-moi oui ou non. Ou faut que je la mette plus haut. Alors là, je suis dans une belle demi. Ok. J'ai trouvé son counter. Le counter, c'est ça. Ah ouais, il a joué bûche comme ça. Quoi, il a un miroir? Ah, lui, il va faire chier, les gars. Lui, il va faire vraiment chier. Comment je counter un miroir, le chat? C'est une carte que je sais pas counter. Réfléchissons un peu. Tu vas mieux ou t'as plus mal? J'ai un peu moins mal, les gars. Je vous avoue, honnêtement, j'ai encore mal, mais j'ai un peu moins mal. On s'en fout que je prenne des dégâts. Ouais, il est un peu chiant ce mec. Normalement, je vais mettre pas mal de dégâts à sa tour. Ouais, bah il perd sa tour normalement. Normalement, il a plus de tour. Ça va être chaud, les gars. Ok, c'est bon, c'est easy. Plus de tour. Maintenant, j'ai juste à défendre. Merde, j'ai failli ma bûche. Bah, je suis bon, moi. Ok, non, elle a pas servi à rien non plus, mais j'ai quand même failli ma bûche. Ah, ça reset pas la voleuse, le zap. Ça se counter pas vraiment vu que c'est aléatoire. À la place de la tombe, mets une TDE. Non, en vrai, la tombstone, je pense, elle est bien parce qu'elle coûte pas trop cher non plus. On va faire un push de ce côté-là, en x2. Ok, il a utilisé un miroir pour sa voleuse. Lui, il veut vraiment gratter avec sa voleuse. Hein. On va économiser notre élixir. Voilà. Là, je lui mets carrément une boule de feu dans la tronche. Et comme je le connais, il va retaper une. Hop, parfait. Ok, il tape carrément un chevaucheur de cochon. Et c'est pas grave, je sais qu'il allait prendre la tour dans tous les cas. Maintenant, à moi de gérer... Là, faut qu'il rush la... Ok, parfait, il rush la tombstone. Faut qu'il tape le bouliste après. Faut qu'il spam mon sorcier. Mais c'est quoi ce raciste? Mais j'ai rarement vu ça! Quoi, c'est raciste là? Je suis censé faire quoi, frérot? C'est quoi son deck à lui là? Faut que j'attaque là, sinon je vais me faire marcher dessus.
non, 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 va pas de ce côté, va pas de ce côté. Trou du cul! Putain, mais c'est quoi ça? Mais je peux rien faire, je peux rien faire! Les gars, c'est... mais c'est quoi ça? Miroir double, double méga chevalier! Miroir double méga chevalier! Les gars, c'est quoi ce bordel? Mon date est plus raciste que ça, mais non, mais les gars. Et on va jamais arriver à 5000 trophées. Hein. Merci Océane, pas tout de suite. Merci Rareté Miteuse, type aberrant. Merci LV. Merci Dixley. Merci Soso. Non, les gars, mais c'est quoi ça, frère? Putain. Ok. IBDF. Tes cartes sont pas assez haut level. Ben ouais, c'est chiant, mais les gars, j'ai. Vous connaissez, je vais pas mettre de l'argent dans le jeu. Ça coûte combien pour mettre mes cartes toutes niveau là? Tout à niveau 11 là les gars, ça coûte combien? Change ton deck, il est pas ouf ouf. Bah en vrai il est dark, pourquoi? Pourquoi au début les gens vous me dites il est bien et après vous me dites il est claqué? Je pense que c'est moi qui... il joue mal non? Parce que je pense pas qu'il est claqué mon deck hein. Je pense qu'il est plutôt pas mal mon deck hein. Parce que regarde mon petit bouliste et mon petit archer magique. Ils font leur taf bien comme il faut là. Regarde, pas dégueu hein. 1000 euros faut mettre pour juste passer mes cartes. Ouah, c'est trop cher frère. Wow 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 wow. Ça dépend, 1000 euros t'es bien. Ah ouais mais frère, j'ai pas 1000 euros hein. Ah il va me gratter avec ça là. Faut que je garde la bûche pour ça du coup. Maintenant je le saurai. 100 balles, 300 balles. Ouais putain, en vrai c'est cher les gars. Parce que la méta change en fonction des arènes. Ah. Et mon arène, c'est quoi la méta de mon arène, les gars? Ok, bon, ça, ça va se faire tuer. Archer magique. Normalement, il va faire des dégâts à la tour. C'est quoi la méta de mon arène, les gars? Méga chevalier? Ça fait des dégâts, archer magique. Ça a fait des petits dégâts sur la tour. Parfait. Allez, c'est parti, les gars. Parfait. Je laisse plus me gratter. Là, je vais créer mon armée derrière mon bouliste. Mon bouliste, c'est un peu mon tank. Le problème, c'est qu'il va mettre sa bûche. Donc, il y a moins que ça fasse chier. Voilà, parfait. Il met sa bûche. Ça m'arrange. Il la met maintenant. Tue pas mon électro-sorcier, s'il te plaît. Double bouliste. Allez, hop, c'est parti. On part sur un double bouliste. C'était inutile, mais c'est pas grave. En fait, il les chauves-souris. Faut que je fasse partir mon chevaucheur maintenant. Oh, j'ai pas de chance. Chevaucheur qui va faire un petit taf. Oh, je vais faire du sale. Hein. C'est bon, elle. Putain de merde! Quel chien de la casse! 1, 2, 3. Tu devrais remplacer Electro-Sorcier par Valkyrie, t'as trop de cartes longue portée. Là j'ai perdu à cause de quoi? Les gars, soyez honnêtes, j'ai perdu à cause de quoi là? Je comprends pas. Merci Mathéo. En fait les gars, j'arrive pas à monter en arène parce que je gagne, je perds. Je gagne, je perds. Du coup, j'arrive pas à gagner des trophées. Et je comprends pas pourquoi les gars. Tu rêveras jamais aux 5000 avec ce deck, je les ai atteints avec un coup de level 7. Donc ok, donc c'est le deck. Donc ce deck là, il m'amènera jamais aux 5000 trophées. Si je comprends bien. Il y a quoi comme ajustement dans ce deck qui me permette les 5000 trophées les gars? Ton niveau, ton deck est mauvais, ton niveau, toi, t'as trop de cartes longue portée. Change pas une carte aggro. T'es claqué, tu joues mal tes cartes. Pourquoi je joue mal mes cartes?
C'est quoi que je fais mal là? Je vois pas ce que je peux faire de mieux en vrai là. Ton boulet c'était bof. Tu gaspilles tes troupes. Tu sais qu'il y a une boule de F, tu condenses tes troupes, c'est pas normal. Chevalier, tu fous une carte tank ou barbare d'élite. Tu défends trop. En fait, faut un tank, c'est ça? Ton placement. Fournaise pour gratter. Faut bien placer. Tu prends trop de temps à poser. Prends un bon deck. Mais c'est trop bizarre parce que ce deck là, des fois, je le joue bien. Pas de carte aérienne. En vrai, monte tes cartes. Arrête les push. Putain. Merci beaucoup mon ref Aura, merci beaucoup frérot. Ah ouais, il y a une armée là. Mais ouais, mais putain, j'arrive pas à le push en fait les gars. Je comprends pas pourquoi. Te faut une Valkyrie. Tu joues tes... Ouais, je peux rien faire, j'ai encore perdu. Sois stratégique. Ils jouent tous Lockbait ou c'est comment? C'est quoi le Lockbait, les gars? T'as des cartes à dégâts, elles ont pas assez de vie, du coup t'arrives pas à gratter. Tu défends avec trop de cartes, ça te fait perdre des élixirs. Il te faut un tank. Trop de cartes aériennes qui peuvent air faire contre les troupes au sol. Ok, donc j'ai envie de garder ce deck. Maintenant, les pros du chat. Je vous écoute. Merci beaucoup Aero. Merci Coco. Je vous écoute, les pros du chat. J'ai mon deck, je veux garder ça. Maintenant, dites-moi la carte que je dois changer qui peut me permettre de, d'être plus polyvalent. Et Sir Cavabellier, mes Valkyries à la place de l'électro. Mais le problème, c'est que j'ai pas de, de counter de Zappy, de taux de TDE et tout, si j'ai pas mon électro, tu vois. Ton deck est trop faible, tes niveaux sont trop faibles. Change le bouliste. Mauvais timing BG. C'est bizarre parce que moi, j'avais l'impression qu'il était d'art, ce deck là. Putain, ça fait chier. Méga raciste à la place du bouliste. C'est pas le deck, c'est toi le problème. Méga chevalier à la place du bouliste. Le niveau de tes cartes, bouliste pour méga, méga chevalier. C'est quoi méga chevalier? C'est lui là, MK. Je mets lui à la place du bouliste. Et là, est-ce que j'ai une méta pour gagner là? Je pense pas en vrai. Hein. Dégage l'archer magique. Pourquoi il est dard l'archer magique? Il fait un taf monstre, non? Après, s'il faut être raciste pour monter à 5000 trophées, je le saurai. Hein. Ou prends, je prends PK sinon. Non, mais PK c'est mieux. Vous pensez que je mets PK? Je joue golem à la place du bouliste. Golem? Vous voulez que je tente un golem? Golem, c'est chaud. Nickel. Oui, oui. Oui. Je tente celui-là, les gars. Vous êtes chaud? On tente celui-là? Je tente lui ou pas? Nickel comme ça. On tente lui ou pas? C'est bon? Là, c'est pas trop mal. Bon, on va tester. Vous savez quoi, on teste? Maintenant, juste, vous me dites la façon dans laquelle je dois jouer. Dites-moi quand je pose le méga chevalier. Ça, c'est un truc, je sais pas. Dites-moi juste quand je dois le poser, mon méga chevalier. Ok. Toi, j'ai bien fait de garder l'électrozap. Là, j'ai mal joué, par exemple.
que j'aurais pas dû poser mon électro ici. Bon, c'est pas grave, ça m'a valu aucun truc. Pose-le surtout pour défendre. Ok, je le pose pour le défendre, ok. Donc je le pose pas sinon. Ok. Normalement, je suis pas mal en termes de def là. Voilà, je fais partir mon chevaucheur de cochon. Là, est-ce que je joue bien pour l'instant? Merci Nitro pour ta donate. Ok, je mets quoi pour le défendre? Mort là. Comment je le défendais en fait? Je comprends pas l'erreur que j'ai fait. Là, je comprends. En fait, les gars, je comprends pas l'erreur que je. Je comprends pas mes erreurs en fait. C'est ça le problème. Ah ouais, ah ouais. Va me démonter. Va me démonter, ma race. Non, j'ai mis en même temps que lui. Ok, alors là, faut que je mette le PK. Tombe sur toutes les troupes. Mais son putain de. Ok. Oh non, ils sont passés devant. Oh, le sorcier qui tape. Ah non, le sorcier tape pas. Pas que mon électro sorcier meurt. Ok, là ça peut être monstrueux. Là ça peut être monstrueux. La remontada. La remontada, nickel. Let's go. Comme ça, il pourra pas mettre son MK. Parfait. Comme ça, moi, j'ai la distance. Là. Il n'y a pas d'électro sur ces merdes. J'ai juste à pas me faire toucher ma tour et je suis bon. Électro sorcier. On la défonce. On la défonce. Oh, la défense en béton armé. La défense en béton armé. C'est monstrueux. Oh, c'est monstrueux. On a cherché les deux étoiles en plus. Oh là là. Let's go, let's go, let's go. Let's go, les gars. On leur montre. On leur montre. J'ai trouvé mon deck. Voilà. Putain. Let's go. Let's go, les gars. Putain. Mais la boule de feu m'a servi à rien, les gars. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans la game là? Parce que j'ai gagné, mais je pense que c'est parce que le mec était nul. Parce que j'ai pas utilisé ma boule de feu. Je sais pas si c'est normal. Je mets mon MK ou pas? Allez, j'attends. Il joue pas ses cartes, le mec.
Non. Je suis mort. Je suis mort, il a le meilleur combo. Comment je gagne ça? Tombstone. Tombstone, j'ai mal posé. Je suis mort. Bûche. Je suis mort. Oh, il a sauté au-dessus de ma bûche. Les deux ont esquivé ma bûche. Putain. Putain, en fait, il attendait juste que je mette mes cartes, ce rat. Mais je comprends pas, les gars. Il perdait l'élixir. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça, les gars? Il perd l'élixir? J'ai pas compris. Tu dépenses tout ton élixir d'une part en posant tes cartes trop tard. Ben regarde, là, j'ai posé mes cartes avant. Lui, il a perdu l'élixir et il m'a quand même défoncé ma tronche. Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Je suis trop agressif, en fait, je pense. Place trop tes cartes devant d'un coup. J'ai pas d'élixir à chaque fois. Je vais mettre mon chevaucheur pour voir ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, pose son MK. Son putain d'MK là, comment je le défends? Je pense que ça suffit avec ça. Parfait. Oh non, j'ai la haine, j'en peux plus. Pourquoi j'ai pas le bon timing? Je perds mes deux tours de la même façon parce que j'arrive pas à défendre son MK niveau 11. Voilà, je suis mort, frère. Son MK niveau 11, il me fait trop mal, en fait. Il m'allume ma race. Il m'atomise, gros. MK niveau 11 vs MK niveau 10. Niveau 9. Je suis sûr de perdre, non? Fais-toi coach. Mais je me fais coach par qui? Moi, je voulais me faire coach par le chat, gros. En fait, je comprends pas. Gros, je comprends pas. Comment? Pourquoi il gagne? T'as mis tout ton élixir d'un coup dès le début. T'aurais dû mettre en fond de terrain. Améliore ton deck. Tes cartes sont trop basses. Merci Adèle, merci beaucoup. D'ailleurs les gars, j'ai beaucoup moins mal. Bonne nouvelle, ça s'est calmé. Ça s'est calmé les gars. Let's go. Vous voyez comme quoi quand t'es concentré dans un jeu, ça te fait oublier les douleurs. Merci beaucoup HTX coach par Walleouf. Bon bah allez, si tu veux, je le connais pas mais... Je suis toujours attendu à mon opéra. Merci mon ref, je te mets au défi de manger Giga Burger juste pour toi. T'inquiète Asker, je sais que je dois venir mais j'ai pas eu l'occasion. Dites à Wall, c'est quoi le pseudo de Wall le fou là? Merci Verix pour ton sub. Il va me coacher, j'en ai marre d'être nul à Clash Royale. Je vais me faire coacher là, c'est bon. Je vais me faire coacher. Allez hop, c'est bon. C'est quoi son pseudo? Dites-moi son Discord, faut que vous me donnez son compte Discord. Vous me donnez son compte Discord, je l'ajoute, je l'appelle. Parce que là j'en peux plus, frère. C'est trop chiant. Retiens mon blaze, Inox, je te donne un an pour réussir et rejoindre la team. Imagine on devient des stars de YouTube. Merci mon ref, t'es un génie. Viens 1v1, merci Epal. J'ai pas envie d'un V1 mon ref. Je suis pas assez bon pour que tu aies un V1. Ça le Valkyrie de merde là, j'ai encore perdu, frère. C'est quoi son Discord, les gars, à Wallefou? Hein? Faut le Discord et le hashtag. Ta-ta-ta. Ok. Magic. J'en peux plus, frère! Je sais pas défendre ça! Merci beaucoup, Adèle. Je sais pas défendre ça, gros. Mes cartes, elles sont nulles, en fait. Ma boule de feu, elle est niveau je sais pas quoi. Le sorcier, il a de la vie, alors que je mets une boule de feu dans la gueule. Je comprends pas. Attendez, je l'ajoute. La game, elle est morte, de toute façon. Là, je perds plus aucune game après ça.
Ouais, le ouf. Ouais, le ouf, c'est un pro, les gars. 67. Hashtag. Ouais, le ouf. 30. 40. C'est quoi, les gars? Avec un cœur? Attends, je l'ajoute. Vas-y, je l'ai ajouté. Dites-lui de m'appeler, les gars. Dites-lui de m'appeler. Merci à ceux qui sont sur le live, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. J'en ai marre de perdre. Là, c'est fini, je perds plus. Putain, on était bien parti là. Moi, je quitte pas le live tant que j'ai pas mes trophées. Hein, je vous le dis. Vous y croyez ou pas, le chat? Attends, je l'appelle. Je l'appelle. Je comprends pas, gros. Je comprends pas. C'est un pay to win, donc mets des sous pour améliorer tes cartes. Mais j'ai pas envie de mettre des sous. J'ai envie de vous montrer que sans argent, on peut gagner. Comment ça, c'est un pay to win? Nox, c'est moi la femme qui t'a mis en sto. Merci Adèle, ça fait plaisir. Fais le même deck que Gotha. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je veux Gotha quand je le fume en V1. Moi, je vais le fumer, Gotha, après. Il t'a MP Twitter. Bah, dites-lui que moi, je l'ai ajouté sur Discord. J'attends juste qu'il me réponde en ami. Qu'il me réponde à l'appel. Ou qu'il accepte ma demande. Dès qu'il accepte, c'est bon. Ah, c'est bon, il m'appelle. Allô? Salut, mec. Ça va, mec? Ça va et toi? Mec, merci Azert1. Gros, tu sais que tout le monde chat me dit de t'appeler. Mais ouais, mais tout le monde me spam aussi, là je suis en live aussi. Et du coup, tout le monde me spam en mode Inox, veut que tu le coaches et tout. Je fais, même s'il a besoin vraiment que je le coach, il viendra me MP, tu vois. Bah, je sais pas, mais en fait, faut que tu m'aides. Il y a des trucs que je comprends pas. En fait, il y a des trucs que je comprends, il y a des trucs que je comprends pas. Genre, okay, je vais faire une game, tu me dis, genre, tu regardes et tu me dis c'est quoi mes erreurs, ok? Ok, bah je termine ma game, faut juste que tu m'envoies ton lien d'ami, s'il te plaît. Sinon, je pourrais pas regarder ta game. Ah oui, ok. Attends, je t'envoie mon lien d'amis. Ok, les gars. Je termine juste ma game et j'arrive. Donc là, je vais être chaud, là, maintenant. Là, tu vas faire de moi un mec fort. C'est un bien grand mot de dire fort, mais ça sera mieux que ton gameplay à l'heure actuelle, oui. Oh, la balle. Oh, la balle en plein cœur. La balle est tombée de mon côté. Oh, tu m'as mis une sale balle, hein. Attends, je t'envoie sur Discord. Vas-y. Oh les gars, oh, là, ça sera mieux que ton gameplay à l'heure actuelle. Non mais c'est pas méchant, mais c'est vrai, tu vois. Ah, vas-y, je t'attends, t'inquiète. J'attends que tu finisses ta game. Yes. Ah ouais, là, je pense qu'on peut dire qu'il m'a foudroyé. Tu places trop tes cartes devant d'un coup. Stratosphérique, hein. C'était stratosphérique ce clash. Hein. Vas-y, bah je t'attends. Tu vas, me dire si mon deck, tu vas me dire si mon deck il est bien déjà. Mais tu en avais donné un sur Twitter, c'est la dernière fois. Enfin, c'est moi qui t'avais déjà donné un deck sur Twitter. Ah, c'était toi hein. Mais je savais pas l'utiliser en fait. Non, en ce moment je coach tout le monde. J'ai coach du coup Michou, je te coach toi, j'ai coach, t'as coach Twitter, Michou le bouseux. Bah coach, je lui ai donné un deck et il a dit que la prochaine fois il faudra qu'on soit en pour que je l'aide aussi. Ah. Je suis un peu le coacheur quoi. Ah ouais, mais coach, Walefou, il coach tout le monde. Alors c'est déjà, sidérant. C'est Walouf, Inox, s'il te plaît. Walouf, s'il te plaît. Ouf, Walouf, il coach tout le monde, c'est sidérant. T'as fini dans combien de temps, là? C'est bon, je t'ai ajouté, c'est bon, je t'ai. Ah, vas-y. Bon, je fais quoi? Je lance une game, du coup? Vas-y, lance. Ok, c'est parti, les gars. On est coaché par Walefou. Merci, champion rage. Pas trop, ça a bien se percer. Merci, Narco, merci beaucoup pour ta net, hein, crack. Merci, mon ref. Ok, là tu me dis quand je fais une erreur. Ok, ça marche. Il y a des cartes pour l'instant que tu préfères jouer ou tu t'en fiches un peu? Ouais, non, en vrai pour l'instant je m'en fiche un peu. Moi j'aime bien jouer le pêcheur. Ouais, le pêcheur j'adore aussi, c'est une de mes cartes préférées. Hein. C'est ta carte préférée? Une de mes cartes préférées, ouais. Regarde, je comprends pas là. Pourquoi ma boule de feu elle le nique pas? Voilà, faut payer. La boule de feu ne tue pas la boule de feu ne tue pas le sorcier. Mais si ma boule de feu elle est au même niveau que le sorcier, elle le tue, non? Non, ça laisse un HP dans tous les cas. Ouais.
Bon, là, c'est le niveau des cartes. Hein. Gobelin Starbucket niveau 9, j'avoue que c'était fragile pour défendre le Molosse. Hein? J'avoue que là, c'est le niveau des cartes qui fait la différence. Ouais. Ton Gobelin Starbucket niveau 9 est trop léger. Faut que je l'améliore. Ouais, bah, le problème, c'est que j'ai pas la carte. Bah, en vrai, si t'as des. Enfin, ouais, c'est compliqué. Faut mettre de l'argent. Enfin, si t'as pas les cartes. Hashtag Laura, c'est compliqué, je t'avoue. Les gars, je mets pas d'argent, on est d'accord. On est team Ra, nous, dans le chat. On met pas d'argent. Après, tu peux mettre de l'argent avec le code WA dans la boutique. Ok. Putain, ce sorcier de merde casse les couilles. Là, t'es pas obligé de rajouter quelque chose, tu vois. Tu peux le laisser mourir, la tour le tue dans tous les cas. La tour, elle l'aurait tué là ? Bah, ah le ouais, tu prends un coup, tu prends, ouais, tu prends un coup, mais en fait, là, t'as perdu 3 d'élixir. Tu vois, tu perds 3 d'élixir pour quand même prendre un coup, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, c'est pas rentable. Ok, je vois. Ah oui, ok, je vois. Ah ouais, ok, je vois. Ah, mais le MK, quand il tombe dans le ciel, il fait pas. Il nique pas les gargouilles ? Non, 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 là, il tape quand même. Ouais, je suis assez d'accord. En vrai ça peut passer hein. Ça passe. Oh non le gel. Mais quel raciste. Putain. Dommage, la défense était belle. Hein? La défense était belle, c'est dommage. Ouais, ça fait chier. Ouais. Non, le cochon jamais au milieu. Jamais au milieu le cochon? Ouais. Ok. Parce que du coup en fait il va prendre l'aggro des deux tours directement, alors que si tu l'envoies comme si tu l'envoies d'habitude, bah il va prendre que l'aggro d'une tour au début. Ok. Du coup il aura plus de vie quand il va atteindre la tour. Là je suis dans la merde, je sais pas quoi faire là. Pas besoin de boule de feu là, du coup. Ouais, tu peux le cacher, je pense. Hein. Là je suis dans la merde. Ok. J'ai gâché la tombstone. La boule de feu pour défendre. Ah, j'avais pas capté la boule de feu. Ah ouais. Ouais, dis-toi que la boule de feu recule le ballon en fait. Ah ouais, je savais pas, putain. En fait, là, à la fin, sur le dernier push qu'il a fait, en fait, t'attends que le molosse s'explose, du coup, il va faire spawn ses roquettes lave et tu boules de feu le ballon, il est roqué. Ah. Tu boules de feu le tout en fait. Le molosse, c'est pas grave s'il tape la tour en fait. Le molosse, il gratte quasiment rien, tu t'en fous, tu vois. Genre, il met 50 par 50, genre, c'est, ça achète plus la tour. Quoi. C'est vraiment après. Il est là pour tanker le ballon et après les roquettes lave qui sortent, quoi. Ok, donc là t'en penses quoi de mon deck là? Attends, je vais regarder. En vrai, je suis pas fan fan moi personnellement. Ok, vas-y, viens, on en fait un. Je trouve ça un peu cher en vrai. Ouais, bah attends, je vais juste aller sur Royal Epic, qui est un très bon site. Comme ça, je vais pouvoir regarder toutes les cartes, ton niveau de carte, etc. Et je vais pouvoir faire. Ouais, au pire, viens, on fait un deck avec mon niveau de carte, les meilleurs que j'ai. Bah, je vais essayer justement. Ah, j'ai mon pote qui m'invite. Attends, attendant que tu vas chercher, je vais le défoncer en tirage triple. Les gars, votre avis, je le nique ou pas, mon pote? Je vais l'allumer, sa race. Je vais l'allumer. Oh, il va m'allumer. Ah ouais, t'as vraiment des cartes de level, hein, pour la vache. Ah, tu vois mon compte là? Ouais, je vois toutes tes cartes. Il est éclaté? Mon compte? Bah, en soi, non, parce que bah, t'es juste free to play, tu mets pas d'argent dans le jeu, tu vois. Ouais. Et je t'avoue, du coup, ouais. Ça se voit au niveau des cartes, quoi. Moi, je veux qu'on prouve aux gens qu'on peut monter sans mettre de l'argent. Ah, c'est possible, c'est quand même possible. Vous êtes d'accord, le chat? Tapez un si vous êtes d'accord. Quoi. C'est long. Le MK, faut jamais le mettre en fond de map, c'est ça? Tu peux, pour t'installer, c'est bien pour construire un piège. Okay. Pas d'argent ici, merci Nako. Pas d'argent ici, les gars. T'aimes bien jouer le PK? Ouais, ça me dérange pas en vrai. Ok. Les gars, il y a Walofou qui me fait un deck là.
Je suis mort. Putain. Non, on va pas mettre d'argent dans le jeu, les gars. On n'en est pas à mettre de l'argent dans le jeu. Free to play, les gars. Ok, ok, ok. Est-ce que l'artificière elle touche la fournaise, le chat? Tout à la sueur du front, je charbonne ça. Merci Narco! Ça fait plaisir Narco en vrai. Merci mon ref. Merci beaucoup mon frérot. Ok, ok. Bon, j'aurai le décor après. Il rigole ce chien. Voilà. Je te renvoie le deck sur Discord, t'auras juste à cliquer sur le lien. Vas-y. Ah ouais, mais je peux pas le counter là. Il rigole ce bâtard. Merci pour le prime Kixou, merci à toi mon. Toi tu joues à Clash Royale depuis longtemps? Depuis le début du jeu, depuis le jour 1. Et tu live tout le temps dessus depuis le jour 1? Pas tout le temps, non. J'ai commencé YouTube et Twitch il y a 4 ans maintenant. Ok. Bon, vas-y, je suis prêt, Walouf. Vas-y, vas-y. Bah, je t'envoie le deck sur Discord. T'as juste à cliquer sur le lien et normalement ça te le mettra directement dans le jeu. Ah, bah attends, je le fais parce que comme je suis pas sur le. Ah, tu m'as fait comme ça. Vas-y, attends. Alors, je le mets. Ouais, le rat de génie. Bah, les gars, ouais. Hein. Ah, les gars, on met pas d'argent, nous. On est pas là pour mettre de l'argent. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces bleus, les gars, ça fait plaisir. Ok, Walouf. Walouf. Walefou. Walouf. M'a fait mon deck. Est-ce que vous aimez bien dans le chat? Attends. Alors, j'ai fait avec tes cartes à toi. J'ai fait avec les cartes les plus élevées et essayer d'avoir une bonne synergie. Alors, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de gros sort, donc on peut peut-être essayer d'intégrer un gros sort. Alors, c'est ça là. C'est sorcier, dragon de l'enfer et tout. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être enlever les gargouilles et mettre un sort, mais le niveau de tes sorts, il est un petit peu bas, quoi. C'est ça qui me dérange. Ok. Merci beaucoup, Mathéo. Peut-être boule de feu à la place des gargouilles. En vrai, on peut essayer avec boule de feu à la place des gargouilles. Tu veux que je mette les boules de feu là? Ouais, la boule de feu. Parce que sans gros sort, j'avoue que ça va être un petit peu compliqué. On teste? Ouais. Vas-y, tu me dis comment je dois le jouer alors. Vas-y, ça marche. Vas-y. Dites-moi si vous validez le chat. Il est un peu alors, cher. Alors, le non PK. C'est un peu cher, mais c'est normal, c'est PK cochon. Donc, okay, forcément. Parce que le PK, par contre, c'est une carte que tu vas garder exclusivement en défense, ok, okay. C'est vraiment une carte PK que tu vas garder que en défense. Exactement. Là, je fais quoi? Boule de feu? Ouais, t'aurais pu. Là, c'est un peu tard. Ah, merde. Ouais, tu aurais pu le mettre directement là, ou pas? Merci Warcast pour ton sub. Non, en vrai, ça défend, mais. Fais ce que tu penses être bon et je te dirai si c'est une erreur ou pas, t'inquiète. Vas-y. En vrai, les gars, j'ai plus trop mal, hein, le chat. Hein. Ça m'arrange. Hein. Ça, je le défends ou pas? Ouais, il faut défendre le mineur. J'aimais quoi, le mineur? Ça, c'est bien, ça suffit? Ouais, sorcier électrique, c'était bien. T'aurais pu mettre directement dessus parce qu'en fait, le sorcier électrique. Du coup, quand il spawn, c'est là. Exactement, okay. Et du coup, ça change l'aggro. Ok. Là, du coup, c'est bien de le mettre en fond de map. Ok. Ouais, c'est bien. Ça te permet de t'installer. Là, je fais PK sorcier. Hein. Non soit magique. PK sorcier, soit tu mettras le cochon derrière ou archimagique, ouais. Ok. Là, tu pourras partir cochon derrière le PK. Là, j'ai pas. Dans mon cycle, j'ai pas de cochon. Ah oui, tu l'as pas. Oui, t'as pas de cochon. Ah, mais j'ai pas de cochon dans mon deck. J'ai un fait à gommelin. Partout, excuse-moi, ouais. J'ai cru que t'avais. Oui, mais c'est le fait à gommelin, pardon. Ah, mais là, c'est monstrueux, là, ça fait trop mal à la tour. Ah, mais là, ça prend la tour. Ouais. T'as vu? Tu ouais. T'installes vraiment avec le PK, ça défend, et en fait, bah, le mec va mettre beaucoup de l'exir pour le défendre, et derrière, bah. Donc le PK, je le mets fond de map et j'avance, quoi. Exactement. Soit tu le mets fond de map, du coup, et soit tu le mets sur des troupes défensives. Ok. Donc là, je tente la deuxième tour, ou il faut que je défende? Bah là, défends. Là, tu peux boule de feu son archer. Ok. Ta boule de feu le tue. Non. Et du coup, là, comme il y a le x2 élixir, je peux faire partir un PK ici.
Tu peux. Alors là, il y a deux options. Quand c'est comme ça, quand t'as déjà une tour, soit du coup tu te mets en full défense si tu te sens chaud à défendre, soit voilà, tu fais comme tu fais, tu mets un peu de pression. Ok. Tu t'installes et t'essayes d'aller mettre de la pression à l'adversaire. Tout en. Alors, soit tout en défendant, soit tu ignores la tour, mais. Merci, mon ref. Là du coup je prends pas de risque, je balance un PK là comme ça au cas où. Ouais c'est bien, c'est bien. Mais là t'es très très bien dans la game. Là de toute façon j'ai gagné normalement. Normalement. Très très bonne défense hein. Parfait ça. Attention à l'archer magique par contre. Bien joué, nickel nickel. GG ça le chat, let's go. Ok, et là maintenant, Walouf, faut que je fasse tout le temps ça. Mais dis-moi pour que j'opti, de toute façon, tu vas me dire pour opti. Ouais, en fait, ça dépend des matchups, ça va dépendre des decks aussi en face. Parce que là ça s'y prêtait bien de partir PK fond map. Il y a des moments, tu vois, tu vas devoir garder le PK en défense. Donc, okay. Ça s'y prêtera peut-être un peu moins de partir PK fond map. Après, ça, c'est de l'analyse, c'est de l'expérience, tu vois, à la force de jouer les games avec un deck. Tu vas savoir quand est-ce que tu vas devoir faire telle chose ou telle chose. Quoi. Ok, là, je la défends comment? Elle boule de feu? Non, laisse-la. Je la laisse? Laisse-la taper, ouais. Parce que sinon, ça va te coûter trop cher et tu pourras pas accompagner ton PK correctement. Donc, au pire, je mets mon archer magique, genre. Ouais, là c'est ça. Archer magique, quoi. Ouais, t'aurais pu même mettre à gauche en fait pour que ça tape la princesse et la tour en même temps. Ok. C'était un fuit à gobelin, là, c'est pas trop mal. Ouais, je l'ai. Non, je sais pas s'il a une bûche ou pas. Ouais. Ok, il a une bûche. Comment tu counter la bûche avec le feu à gobelin? Parce que lui il va me niquer tout le temps. Alors t'essayes de brain un petit peu le placement dessus, mais si le mec est pas bête, il se fera jamais avoir. Alors tu peux le décaler un peu plus, tu vois, au lieu de le mettre directement sur la tour, tu peux le mettre un tout petit peu plus loin. Et comme ça brain un peu le joueur et s'il se fait avoir, bah il reste sa bûche. Ok. Vous allez bien dans le chat? Le site, les potes, pour voir les profils des joueurs, c'est Royal Happy. Merci Sushi pour ton sub. Là, sa Tesla, je la laisse? Ouais, tu la laisses comme ça, dans tous les cas, là, je t'en fiche. Hein. Là, je pense que tu peux pas jouer. Archer magique. Tu peux boule de fesse à princesse cette fois-ci. Normalement ça va faire... Ah ouais... Ouais mais même quand un tout petit peu plus derrière tu vois. Bon après là il est passé des lectures pour mettre directement la bûche. Donc les copains... Il pré-shot tous mes trucs comme ça, mais sa bûche. Toi là tu dois absolument garder ta bûche pour le fumer. Là il est un peu derrière à gauche. Merde! Comment t'as su ça? Je le... C'est l'expérience. En fait dès que le mec envoie le fumer à la force de jeu, bah tu sais où il va le mettre tu vois. Ah ouais là il m'a failli me niquer. Ok. Là, je tente quoi comme move là? Alors, il va falloir que tu défendes la princesse à droite. Ok. Ouais, nickel ça. Nickel, nickel. Regarde l'armée. Dis-moi qui défend ça. Roquette, ouais. T'as oublié la roquette, mon ref là. Oh putain. Ça m'a niqué ma game ça. C'est pas encore perdu. Il l'a mis au fond à gauche. Attention à la princesse. Ok. Là ça craint là. Ouais il faut que tu repartes PK là. Ouais parfait ça. Nickel nickel. Mais il arrive tout le temps à me counter. J'ai dit mets ton feu. Oh j'ai l'idée, attends. Vas-y dis-moi. Un, deux, trois. Ok. 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 Oh non. Ok, attention à la princesse. Elle dégage, elle. C'est bon. M'a saoulé. Ok, alors je peux rien faire là en fait. Ces gobelins ils font trop mal, ces chiens.
Oh c'est bon. Oh l'armée. Oh l'armée. Eh, t'as vu, on a trouvé une strat. Ah ouais, tu l'as trouvé, bien joué. Non mais tu sais que c'est pas mal ce que t'as fait, parce qu'en fait l'armée squelette au pont comme ça, en fait sa bûche avait pas la portée pour aller la chercher directement, vu qu'il a mis sa bûche un peu plus loin. Bah pour les... ouais, pour le fût. Let's go les gars, 200 de QI. 200 et tout. Bien joué, bien joué. Ok, bien joué. Bon, on a encore gagné. Là pour l'instant on fait 0 lose. Pour l'instant, attends. Viens, on essaye de faire 0 lose. Si c'est moi qui jouerais, bon ça irait, tu vois, mais là c'est toi mon ref. Ouais, c'est vrai. Mais tu me dis, donc c'est bon. Ok, c'est bien ça. Ça, je les laisse. Là, j'ai 10 élixirs. Jamais avoir 10 élixirs, on est d'accord. Ça dépend. Ça dépend. Okay. Quand tu vois que l'adversaire joue pas, enfin, si t'as pas envie de sortir une carte que t'as besoin, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Là, je fais quoi? Je défends comment à gauche? Boule de feu, l'arche magique, si tu l'as ouais, pas. Je l'ai pas. Si tu... Ok, là, 5-1. Ouais. Ouais, je sais pas ce que je pouvais faire là. Tu voyais mes cartes? Non, je voyais pas tes cartes. Non, je vois pas ta main de départ. En vrai, je pense que j'aurais pu mieux faire, mais. Après, là, t'as un bon petit counter push. Si tu peux envoyer un fût avec là. Ouais, c'est ce que je fais, mais. Ouais, il y a les chauves-souris là, elles vont me niquer. Ouais. J'ai perdu là ou non? Ça peut le faire. C'est gagnable, mais ça va être compliqué. T'avais pas une bonne main de départ parce que la boule de feu aurait carry à gauche là sur la défense. Ouais. Ok. Dans le chat, qui prononce que je la remonte là? Non, tu veux la win, mec. Allez, on va la win. Ok, boule de feu, par direct. Exemple, boule de feu, ça dégage. Ouais, ça c'est instant. Hein. Là, faut que je tape la tour de droite. Ouais, on va rester focus sur la tour de droite parce qu'en fait, c'est la tour que t'as déjà commencé à mettre des dégâts et en plus, lui, il est obligé de push ici. Putain. Mais regarde, le problème, c'est que j'étais censé faire quoi là? Non, en vrai, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Après, si le ballon tape une fois, c'est pas dramatique, tu vois. Ouais, mais là, il a tapé deux fois, non? Non, il a tapé qu'une fois. Ok. Donc, tu peux envoyer ton cul. Ouais. On va la tenter. Oh, elle a niqué ses flèches. Il vient de jouer ses flèches, nickel. Parfait. Normalement, on a la tour, maintenant. Ouais, il perd sa tour. Ouais. Il a presque... Ouais, bon, il est quasiment... Ouais, mais lui aussi, va me la choper, là, la mienne. Défends le sorcier. Merde, j'y arrive pas. Ok, là, je vais tenter... Hein? Ouais, dis-moi. Là, je tente les deux. Ouais, tu disais quand il y a l'électro? Ouais, quand il y a des troupes comme ça, évite de les laisser connecter, je vais en défendre. Ok. Ok. En vrai, ça peut le faire. Ouais, il a mis ses flèches, à tout moment ça passe. J'ai rien dit. Ouais, il a lâché. Ouais. Je fais comment là? Ok, il faut absolument que tu gardes Dragon de l'Enfer pour le ban. Ballon, Dragon de l'Enfer. Ok, parle comment faire. Zap. Ouais, nickel. Ok, attention, sous sorcier. Rajoute un squelette ou un truc, j'en sais rien. Sous sorcier. Ok, non, c'est bon, vas-y, push. Vas-y, je push. Tu as gobelin avec? Ouais. Ouais. Oh là là, le comeback! Ça le fait ou pas? Oui, ça va le faire. Oh, ça va le faire. T'inquiète. GG, mon gars! Voilà, on leur dit, nous! Putain, là, on est bon, là. Là, on est sur une remontada. Ouais, j'ai moins mal, Rebecca. Merci beaucoup. Merci, Narco, pour ton GG. J'ai plus mal, les gars. Hey, t'es bientôt à ton record de trophée. Hein. Ouais, bientôt mon record. Mon record, je crois, c'est 4730 en vrai. Ouais, 4728. Ah, tu vois mon record de trophée? Ouais, en fait, sur ton profil, on peut voir sur le jeu directement. Quand tu vas sur le profil du joueur, tu peux voir son record de trophée. Ok. Merci le chat, hein. Là, j'ai Wolofou qui le coach. Faut non, mais je vais me rename Wolofou. Hein. Je vais me rename Wolofou à chaque fois qu'il m'appelle Wolofou. Wolof. Je fais comment là pour le niquer, lui? Electro vs Electro. Je vois pas, non, c'est ça. Ouais, c'est pas mal, Electro, ouais, c'est pas mal. C'est bien, très bien ça. Ça va le qui? Je la laisse? Bah ouais, en non, c'est bon, t'inquiète. Le dragon d'enfer est très très fort. Vraiment, le dragon d'enfer, c'est très très fort. Ouais, le dragon d'enfer, il fait le taf, quoi. Ouais. Ok. Normalement, j'ai le counter. Ok, c'est la boule de feu, le ballon.
Ah ouais, boule de feu, putain, je suis... Ouais, c'est pas... Non, c'est bien ce que t'as fait, c'est bien. Ok. Bon, c'est pas le mieux, mais c'est bien. Là, je mets une carte en plus ou pas? Non, pas besoin, ils ont plus beaucoup de vie, les cartes. Ah oui, ça sert. Des fois, voilà, faut savoir reprendre le tir, ne pas forcer, prendre son temps. Ok. Pour l'instant, le chat, on est en full win. Là, je la nique à la Valkyrie. PK. Oh, PK dessus, ouais, PK. C'est bien de le placer comme ça ou pas? Ouais, c'est bien. Pour que même devant la tour, tu peux le mettre là, c'est pas dramatique. Allez, c'est électrique avant, s'il te plaît, vite. Parfait. Nice. Il est mort. Ouais, là, il va prendre deux coups de PK, voire trois. Oh là là, c'est monstrueux. Ok. Nice, parfait. Il va mettre son ballon, hein. Faut que je pré-shot Dragon de l'Enfer et tout. Ouais, Dragon de l'Enfer est censé l'électrique si je mets juste en... Après, Dragon de l'Enfer peut suffire à la fin de ballon. Tout seul, il le lave. Ah ouais, tout seul, il le lave. Ah ouais. Oh, je suis mort, il avait pas sorti cette carte là. Non, mais t'as un PK. Le PK a détruit le M40. Ah ouais, il l'allume. Ouais, bah regarde. Ah ouais, il lui fait trop du sale, bon. Oh non, les trous, il a pas vu. Ok. Oh, t'es bien dans la game là. Ouais, là on est pas mal, hein. Ok, là je vais récupérer le ballon du coup. Ouais, attention à son ballon qui risque j'ai d'arriver. J'ai rien pour défendre là, son ballon. Oublie pas que t'as la boule de feu. Ouais. Tu peux toujours servir. Ouais, va falloir que tu te boule de feu. Ok, t'as autre chose? Ouais. Nice, let's go, bien joué. Oh ça. là, ouais, le ouf, c'est incroyable! C'est incroyable! Ah, mais c'est toi! C'est que toi qui des wins! Mec. Que des wins là, on est en train de faire, gros. Eh, tu sais, là, je veux qu'on monte à 5000 trophées sans perdre une game, gros. Le chat, vous y croyez en fait, ou pas? Le problème, c'est que ton niveau de carte va peiner un moment. Ah ouais, à un moment, il y en a un, il va avoir niveau 14 sa carte et je suis mort. Peut-être pas niveau 14 à ce niveau-là, t'en croiseras pas maintenant des niveaux 14, ça sera un peu plus haut, mais. Tu sais que j'ai joué, les gars, ce matin contre un mec, barbare niveau 13, gros. Niveau 13, gros. Ces barbares, ils arrivent sur ma tour, ils one-shot presque. Tout shot. Ah oui, non mais. Les barbares d'élite ou les barbares classiques? Barbares d'élite. Ah oui, grosse, oui. Elle, je mets boule de feu? Ouais. Là, je mets plus rien? Va falloir que tu rajoutes des troupes, hein, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Wow, bonne bûche, on va avoir une très bonne bûche. Là, c'était bien ça? Ouais, c'était bien. Malheureusement, la sorcière, elle s'est fait un peu reculer, donc ça va tuer ton PK. Je suis mort. Aïe. Je suis mort. Aïe. Ouais, là, effectivement, ça se sent. Ouais, t'as trop forcé avec ton fiagoblin, tu vois. Là, c'est le moment où il fallait un petit peu tempo. Ok, tu veux... Ok, ça tient la dev. Ça tient j'ai la dev. J'ai bien rattrapé, ouais. J'ai bien rattrapé, mais j'ai fait de la merde, mon feu gobelin. Le feu gobelin, faut vraiment que je le mette quand je suis positionné, quoi. C'est ça. Ou alors tu veux cycler une carte, tu vois, juste mettre le feu comme ça en pression. Je la nique comment, elle? Mais en fait, Archer magique, normalement. Ouais, tu peux mettre Archer magique. En fait, normalement, boule de feu bûche, ça la tue, la sorcière, mais vu que t'as des cartes faibles, bah du coup, ça la tue pas. Ah. Ok, tu peux mettre Pekopon. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Voilà, bien nickel, wesh. Là normalement j'ai une bonne petite attaque là. Là t'es bien, dis-toi qu'il a 3 d'élixir, donc il a quasiment plus rien. Alors attention, il a l'armée de squelette et le prince. Ouais, je sais. Oh. Ça je BDF, non pas besoin. Non, c'est bon, il y a l'arche magique qui fait le taf, t'inquiète. Oh mais mon PK a tapé hein. Oui, deux fois. Nice. T'as pas besoin de défendre ça. Merci Grel pour le prime. Merci mon ref. On y croit le chat, merci à ceux qui sont là, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Le pouce bleu. Il joue plus ses cartes. Ah il est en fait c'est juste qu'il avait quasiment pas d'élixir. Ah ouais il avait pas d'élixir. Ah ouais. Alors ça tu peux défendre avec armée de squelette. Ah ouais. Ça aussi. Ou ça sorcier électrique. Bien, sorcier... Ouais tout à fait. Non mais t'as raison. Sorcier électrique aussi, l'armée de squelette ça coûte moins cher, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ah ok. Mais sorcier électrique c'est bien aussi, c'est très bien. Ok, là ça craint un peu. Je sais pas comment je défends ça. Ah, oui. Ah ouais, t'aurais peut-être dû attendre le PK là. Oh, ça va en vrai, non? Ouais, tu vas prendre deux coups. Hein. Ouais, fais chier, merde. Ah, il prend même ta tour, aïe.
J'ai fait de la merde. Ouais, bon. Aïe, le sorcier. Aïe, 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 aïe. Là, je fais de la merde. Ma boule de feu, j'ai mis dans, la, dans le vide. L'émulateur. Ok, c'est pas perdu, moi. Ok, il faut défendre la horde. Aïe, les flèches. Ok, il faut que tu pioches maintenant. Faut que tu mettes tout. Le fuir gobelin. Non, ça va être dur, là. Non, ça passera pas. Non, mais je suis dommage. Trop une merde. Mais j'ai perdu sur un move de con. J'avais juste à défendre son chevalier de merde. Ah ouais. Putain, non, en fait, je voulais pas claquer ma troupe pour deux coups, en fait. En fait, t'as fait deux erreurs. En fait, deux erreurs qui t'ont coûté la game. Du coup, à gauche, t'étais bien. Du coup, c'était soit sorcier électrique, soit armée de squelette sur le cave à bélier. Du coup, ouais. Un des deux, pas obligé de mettre les deux. Et du coup, bah derrière, ça t'a coûté de l'élixir. T'as rajouté en plus de l'élixir sur la sorcière alors que t'en avais pas besoin. Ouais, j'ai fait et de du la coup, merde. Derrière, t'avais pas assez d'élixir. Enfin, il fallait attendre pour mettre le PK du coup sur le prince et ça aurait défendu. Ok. En vrai, faut que j'arrête de vouloir. Quand j'ai une tour, faut que j'arrête de vouloir faire le con, en fait. Ouais, c'est ça. Ou alors de forcer en défense, tu vois. Quand tu sens que t'as déjà mis pas mal, ça sert à rien de renforcer derrière, quoi. Ok. J'ai fait de la merde, les gars. Je fais quoi là? Je fais rien là. Je le laisse venir, lui. Non, tu peux partir. Ok, attention quand même. Ouais, là par exemple, t'aurais pu mettre le PK devant le sorcier électrique. Comme ça, en fait, ça aurait protégé ton sorcier électrique. Ok. Ouais, parce que là, ça va être chaud là. Boule de feu ou pas, lui? Ouais, va falloir que tu boules de feu les deux là. Je sais pas si ça va toucher les deux. Hein. Ok, bien joué. Ok. Pas grave, on a touché un peu. Ouais, c'est ouais le ouf, les gars, avec qui je suis là. Ouais, ça va mieux mes boules, les gars. Ça va mieux mes boules, c'est très bizarre quand même dit comme ça. Ouais, au début, là, j'avais mal aux boules. Ah, d'accord, mon ref. Mettez tous le signe Pry for my ball dans le chat. Et je te jure, j'ai lancé mon lave, mais j'avais pas mal aux boules un peu plus haut. Je fais quoi, oh, là? PK oh là. Pour défendre ça? Ouais, ça c'est PK ou Dragon d'Enfer, un des deux. Ok. Mais c'est bien ça en vrai, ça fait tempo de ouf. L'arche magique? Ouais. Je fais quoi là? Je suis bien ou pas là? Ouais, là, bah, ouais, c'est pas mal le Dragon d'Enfer comme ça. Hein. Faudrait que ça tue vraiment le bébé dragon. Ok, il a un zap. Ok, ça tue quand même, let's go. Faut que tu tues l'arche magique. Ah ouais? Ok, non, l'armée de squelettes, alors là ça sert à rien, pourquoi? Parce que du coup l'armée de squelettes va mourir et en fait ton PK était déjà présent. Okay. Était déjà présent pour défendre donc ça sert à rien. Tu vois, c'est ce que je te disais juste avant, ne pas rajouter quand tu sens que t'es déjà bien en défense. Ok. En fait, les golemites, dis-toi que c'est pas ce qui gratte le plus, tu vois. Quand le golem explose, c'est deux petits golems là. Les c'est deux pas... petits golems, c'est de la merde. En fait, c'est l'explosion du golem qui fait mal. Exactement. Elle le golem en lui-même. L'explosion du golem. Bon, là je pourrais pas dire exactement, mais ça gratte quoi. Ok. Là je pense j'ai bien fait comme ça mon. Mon truc il gratte la tour, non? Ouais, non, parce qu'il a bien positionné son golem. Ouais, il l'a bien mis, ouais. Alors, il va falloir que tu boules de feu, archi magique, tout ça, là. Ouais. Là, les games, elles deviennent plus dures, là. Ouais. Il a fait quoi? Il a fait une duplication, je rêve, là. Il a fait le clone. Il a cloné le machin, là? Ouais, ouais. Attention à ta tour, mon ref. Faut que t'envoies un fuel, hein. Faut que t'envoies la couscoussière. Oh, il a joué son zap. Oh non. Je sais pas si t'as le temps de recycler un fuel. Faut que t'envoies un fuel, hein. Faut pas que tu défendes, faut que t'envoies un fuel. Ok. Ta boule de feu. Ah, je serre le cul. Maintenant, j'ai mal au cul, maintenant. Oh, putain. Son zap, il aurait pu niquer ma tour ou pas? Mais oui, en fait, ça fait deux fois, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit d'envoyer le feu, parce qu'il arrêtait pas de défendre avec le zap. Oh, il a fait de la merde. Mais oui. Oh, putain. Ok, GG, ça. En fait, tu vois, je fais des erreurs qui me coûtent des games. Ouais, c'est vrai. C'est souvent que je fais des erreurs de con. Mais après, c'est l'expérience, hein, tu vois, ça c'est avec le temps, avec à la force que tu joues ton deck, tu vas commencer à le connaître, etc. Ah, ok, ouais. Ça c'est cochon 2.6, je pense. Ouais. Wesh, comment tu savais qu'il avait cochon? Je connais les cartes. C'est-à-dire?
Bah je connais le deck en fait qui joue en face. Ah il a un deck connu le mec. Ouais ouais. Cochon 2.6 c'est un des meilleurs decks du jeu. Ah là il a un deck à 2.6 élixir. C'est ça. Je suis mort là. C'est pour ça qu'on l'appelle le cochon 2.6. Non c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. Ça va être dur mais c'est jouable. Là faut que je prenne ses tours avant le 1 minute en fait. Non justement parce que lui son deck est plus fort en point. Étant donné qu'il sait plus vite que toi, du coup il va essayer d'outcycle tes troupes défense. Ok. Donc là je fais quoi, je claque mon PK au pont ou quoi? Non 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 non. Non tu peux partir, en vrai tu peux partir PK fond de map là. Ok. 2.6. Vous jouez un deck combien d'élixir dans le chat vous? Là il va avoir la bûche. Ah non, bûche de feu, ok. Ouais parce qu'il sait que j'ai ça, regarde. Ouais. Il a niqué sa bûche là. Là avec un peu de chance je touche la tour non? Ah non mais il non. Place des cartes. Tout le temps il a des cartes gros. Ah non mais il joue bien, mais après ce deck est vraiment... Alors c'est très très dur à prendre en main mais quand tu le maîtrises un peu c'est très très fort. Ah ouais. Ok. Le chat, vous êtes tous dans les alentours de entre 3 et 4. Hein. Ouais, c'est le but pour des decks classiques. Ok, là. Oh. Tu vois, ça, c'est encore l'over inutile. Defense. Tu vois, il n'y avait pas besoin d'en. Ouais, exactement. Il n'y avait pas besoin d'en. Oh, attends, mais il a fait de la merde. Il vient de jouer sa bûche, hein. T'as la boule de feu pour le mousquetaire. Merde. Mais c'est pas grave. Ok, il faudrait que le... Allez, le PK, s'il te plaît. Non. Putain, il joue bien, ce petit chien de la casse. Là, j'ai besoin de rien okay, défendre. Mais PK. Mais directement sur le cochon. Ouais. C'était très bien, ta bûche, par contre. Ta bûche sur le cochon, c'était très très bien. Ok, nice, l'archimagique, bien joué ça. Ok. Essaye de Bren. Ouais, un tout petit. Oh, il faut vraiment que t'apprennes à le mettre un tout petit peu plus haut pour Bren l'adversaire. Ah ouais. Oh, par contre, attends. Oh, il a panique. Ok, reprépare un PK juste devant ta tour. Mais pourquoi il arrive à mettre un coup ce chien? Parce qu'il a bûche aussi ton PK. Du coup, c'est annulé l'auto-attaque du PK. Par contre, il a plus de bûche. Boule de feu, la mousquetaire. Ok, attention à ce cochon. Nice. Ok, là, il va falloir y aller. Magique, là. Ouais, ouais, là, il va falloir y aller. Ok, il a plus de feu, il a plus de bûche. Allez, c'est parfait cette boule de feu, allez. Ok, l'archimagique, un coup au moins. Ok, t'es à portée de boule de feu. Remets ton PK devant la tour. Full def le PK. Allez. Oh, il faut que tu recycles, vite. L'adio. Oh là. Bien joué. GG mec. GG ça. GG. Putain. Merci à tous qui sont sur le live. Les pouces bleus. Les gars, on est sur une série de victoires. C'est bon ça. Bien joué, Walouf. Là, on monte. Hein. Ah, là, on a battu mon record de trophées. Oui, oui, largement même. Largement. Là, maintenant, Road to 5000. Merci, Oracle, pour le prime. Le chat avait crash. Re le chat. Parfait ça. GG. En vrai, là, j'ai pas fait trop d'erreurs cette game. Juste, faut que j'arrête de mettre mon. Mais mort de squelette pour rien quoi. C'est ça, et puis ton PK un tout petit. Enfin quand tu sais qu'il joue cochon un tout petit peu plus. En fait il y a un placement parfait avec le PK pour tuer le cochon sans prendre de coups. Ok, faut que je mette un tout petit peu. Ok. Ouais. Alors là no stress. T'as le PK pour défendre, t'inquiète ouais. Pas. Si je le place là, c'est bien ou pas? Oula. Oula mon ref. En fait je voulais tenter un truc mais.
Ouais, il fallait juste. En fait, il faut juste que tu te mettes directement dessus parce que le MK du coup saute pour éviter de prendre son dégât de. Okay. Son dégât au début, bah tu le mets directement sur le MK quoi. Elle m'allume la tourelle si je la laisse faire. Ouais, elle gratte un peu, elle gratte de ouf même. Ok, bon, j'ai fait de la merde ce début de game, laisse-moi me concentrer. Je vais me reconcentrer, t'inquiète, on va faire du sale. Vas-y. J'envoie mon dragon de l'enfer là. Tu peux partir fondre ma peau en installation. Ok. Dragon de l'enfer fut. Oh merde. Là je fais quoi? J'over défense ou pas quand il y a ça? Ouais, PK devant le sort électrique. Comment il va défendre cette dinguerie là? Il défend la mousquetaire à gauche, défend la. Ah merde! De toute façon, j'ai sa tour là, non? J'espère. C'est qu'une question de temps. Ouais, c'est bon. Après, en fait, c'est que t'as pris beaucoup. T'as pris très cher sur la tour de gauche. Ils sont dans la merde. Ouais, c'est ça. Alors, vu qu'en fait, là, il a pas de grosseur dans son deck, du coup, t'aurais pu full def. Mais... Ça, c'était bûche de merde. Ouais. Ok, après, sa tour du roi a pris cher. Hein. Ouais. Je tente le tour du roi. Je tente le tour du roi. Oui. Tour du roi, c'est parti, l'assaut est lancé. Attends, parce que l'adversaire joue pas là, il perd beaucoup d'élixir l'adversaire là. Elle a crash non? Bah je sais pas, mais qu'on voyait des troupes ouais. Oh let's go. Let's go. C'est mérité les gars, j'en ai rien à foutre. Ok parfait. Et bah voilà. Mais c'est fou que Index ça m'a débloqué pour monter d'arène. Bah parce qu'en fait là on joue avec tes cartes les plus élevées en essayant d'avoir un deck qui a une synergie à peu près correcte. Ok. Mais je l'aime bien ce deck là, vous en pensez quoi le chat? Bah puis ce qui est bien c'est que le PK à ce niveau là en fait il détruit les méga chevaliers quoi. Merci mon ref. Ouais le PK il est bon en vrai. Ouais. Mais il y a un moment où faudra que j'arrête de l'utiliser à un moment. Bah juste, en vrai ça va, tu l'utilises pas bêtement. Oh non, le bad move. Dommage. Bon ouais ça va, je le défends lui ou pas? Oui. Avec quoi? Ok je sais. 1, 2, 3. Ouais, nickel. Ok parfait ça. Wow. Oh, ça fait mal hein. Pour défendre. Ouais, tour l'arche magique. Magique c'est parfait. Que ton arche magique va changer. Il faut le. Ok, ouais, l'armée squelette parfait ça putain. L'armée squelette normalement, ça passe. Ouais, tu vas te faire gratter un peu, mais. Ah, il m'a gratté un peu. C'est bon. Ouais. Mais belle défense. Ça, c'est mon deck, le chat. Ok. Ça, c'est Valkyrie, c'est Dragon de l'Enfer en vrai, non? Ouais, c'est Dragon de l'Enfer, ouais. Ah, mais il a son armée de gargouille, hein. Ça, useless ou pas? Bah ouais parce qu'en fait là tu sais que dans son deck il a justement tu l'as dit la horde de gargouille et du coup il faut absolument que tu gardes la boule de feu pour tuer la carte. Boule de feu pour niquer la horde de gargouille alors. Exactement. Là j'attends, je regarde mon élixir. Ouais faut que t'attendes un peu, pas trop que tu pêches parce que justement il a la horde du coup il va faire full value avec. Ok parfait. Ok PK full map, ouais nickel parfait. PK électro. Donc tu pourras électro derrière ouais. Ok. Alors pas coller au PK sinon le MK va taper en zone dessus. Alors oublie pas il a la horde aussi. Il va la mettre là, j'attends qu'il la mette. Ok là t'as un bus hein. Ouais là tu vois la mise, boule de feu, voilà parfait, là tu peux enchaîner avec le fût. Je l'avais pas. Oh non. Oh, dommage. Enfin, c'est cheaté le sorcier quand même comme map, comme carte. Bah c'est fort à bas niveau quoi. Hein? C'est fort à bas niveau le sorcier. Oh ça va gratter pas mal ça non? Non tu laisses. Merci ouais, Théo. Merci mon ref, je fais de la merde là. Non t'inquiète, après c'est pas dramatique hein, de mettre l'armée mais... Donc, il va mettre son MK quand il... Ok. Il a mis ok, je te magique derrière le. Voilà. Tu peux envoyer le feu blanc aussi.
GG. Let's go, let's go. Je crois que... Pourquoi il a pas défendu mes gobelins? Il avait plus d'élixir. Ah ok. Comment tu sais quand il a plus d'élixir que mes? T'arrives à savoir toi? Moi là je... Bah quand je suis en mode... Enfin quand je joue sérieux, oui, là je le sais parce que du coup quand je regarde une game... Quand je regarde une game dans le jeu, on voit l'élixir de l'adversaire. Okay, okay. Après moi quand je suis en game sérieuse, vu que je vois pas l'élixir, j'arrive à peu près à compter. Il y a à savoir combien... Les gars, un max de merci à Walouf dans le chat hein. Allez voir sa chaîne hein. C'est le coach hein. Le boss. Mais en vrai les gens ils disent que je suis nul, mais est-ce que je me débrouille? Non, après bah, ça fait combien de temps que tu joues au jeu? En vrai moi j'ai joué quand il était sorti, mais j'ai pas tryhard. Ouais, tryhard. Ouais j'ai t'as joué fait une pause, avec quoi. Mes potes comme ça. Attention, faut défendre quand même. Non, en vrai ça va, t'as un bon niveau pour un mec qui tryhard pas, ça va. Hein. Mais là je vais tryhard là. Mais il y a un tournoi à gagner en mars. Ouais. Il y a un tournoi à gagner, ouais. Oh non. Ok, on s'en fout. On va jouer le temps. Lui, je lui mets un dragon de l'enfer dans sa gueule. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et j'enchaîne avec une fût. Ah. Déjà, il va falloir que tu défendes. Tu peux mettre l'armée squelette aussi hein, sur le feu à gobelin. Le feu à gobelin, ok. Mm. Ok, puce, princesse. Ouais, y'a du mal là, ça a du mal à taper hein. Ouais, là, ça joue bien là, ça joue bien. On va recycler. On va attendre. Ok. Il a quoi comme carte de ouf lui? On l'a vu ou pas sa carte de ouf encore? Je pense que non, lui c'est que du grattage avec le fût à gobelin. Ok. Je pense qu'il a T2 en bâtiment quoi. Ah, il a une T2 tu penses? Ouais, je pense qu'il a T2. En vrai, il a mis une belle boule de feu. Hein. Ouais. Mais en vrai, je gratte petit à petit. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'il faut. C'est le but du deck. Hein, de toute façon, le but, c'est pas de prendre une tour en un push. Hein, c'est de gratter de temps en temps. Là, t'as l'armée. Ok, sorcier électrique. C'est bien aussi, hein, sorcier électrique ou armée. Allez, les gars! Pourquoi il claque sa bûche comme ça? Je sais pas. Okay, oh, il a MK, ok, c'est le MK qui a pas de T2. Et par contre, ton fier gobelin, parfaitement placé là. J'avais bien placé? Ouais, tu l'as bien placé là. Ok, du coup, t'as apporté de boule de feu. J'avais pas calculé. Oh là là, les gars, on pisse sur la game là. Bah, GG, écoute, hein. Let's go, GG! Mec, c'est trop dard, merci Hugo. Ça fait du bien de gagner en vrai. Bah, tu m'étonnes. Ah les gars, 5000, on arrive, 5000 trophées. T'es, mais c'est normal, je gagne de plus en plus de trophées quand je gagne une game là. Non, tu gagnes plus 30, après ça dépend les trophées. Non, là j'ai gagné plus 48 gros. Quoi? J'ai gagné plus 48 le chat, non? Attends, c'est pas possible. Bah si. Moi je te vois en plus 30. Ah ouais? Ah bah alors plus 30 alors, j'ai cru. Je sais pas c'est quoi 48 que j'ai gagné. Le maximum sur le jeu c'est plus 45, mais à ton elo c'est impossible d'avoir un plus 45. C'est quand t'es en bas? Bah non, c'est quand t'es dans le top du top. Est-ce que c'est là que je dois mettre mon fût, ouais. Attends, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu là. Alors en fait, tu peux le mettre en mode classique autour de la tour. Ouais. Et après, en fait, si tu veux brain la bûche, il faut en fait que tu le mettes un peu plus loin que la tour derrière. Ok. Genre de 1 pixel, quoi. Ouais, ouais, 1 pixel ou même 2, tu vois. Ok. Mais le canon, c'est quoi là, l'intérêt? Aucun. Zéro. Elle, ça, j'en fais quoi de elle? J'ai la boule de feu, elle, hein. Ouais, tu peux la boule de feu. Elle est dangereuse, ok. Ouais, elle est dangereuse. Elle est chiante. Elle est vraiment chiante à gérer. Elle fait beaucoup de value. Ah, par contre, ça va être chiant. Là, j'ai fait de la merde. Ou agressif, ouais. C'est quoi la strat là? Électro-sorcier sur les deux. Ouais, électro-sorcier sur les deux. Oh, en vrai, ça fait le taf, hein, électro-sorcier sur les deux. Ah, ouais, c'est dommage que il fallait juste attendre que ça fasse spawn des squelettes. Ou qu'elle a tour à l'armée. Nice. Ouais, ça fait le job là. Hein, ça. Ouais, ça fait le job. Elle, bûche, ça nique ou pas? Non, ça la nique pas. Non, ça la tue pas. Enfin, pas au même niveau, ça la tue pas.
Et vu que t'as une bûche 10, je crois, donc... Je la laisse taper, elle. Alors, il y, y a un placement pour défendre l'artificière, et du coup, qu'elle active la tour du roi. Enfin, ta tour du roi. Je sais pas si tu connais le placement. De quoi? C'est quoi? Ah, c'est quoi genre, le placement? Genre, il y a un placement, gros. Bah, je te montrerai après, je te montrerai après. Ok. On fera une game l'un contre l'autre et je te montrerai. Vas-y. Merci, Zach, pour ta donate. Elle, elle va me faire chier avec ses mini-squelettes pour mon PK. Oui. C'est pour ça qu'elle est chiante. Après, c'est pas mal, là, t'as un bon bus. Ouais, je suis pas mal, là, en vrai. Ouais, c'est bien, c'est bien ce que tu fais. On est bon, là, ça va faire des dégâts, ça. Hein. Putain, t'as bien eu plus 48. Y'a un mec qui me dit t'as bien eu plus 48. Merci, Greg, pour ton, pour tes subs. Mais bah, après, en fait, tu peux voir directement dans le jeu, mais c'est plus... Les gars, j'ai eu plus 48 gold ou trophée? Oh, ça marche ça. Ah la bûche c'était pas ouf. J'étais pas. Ouais. Ça sert à rien en fait. Tu peux assumer un peu de dégâts, c'est pas un problème. Ok là faut que je défende. Aïe. Ta boule de feu pas ouf non plus. Oh merde. Là j'ai fait deux erreurs fatales. Ouais, PK sur la sorcière ou pas? Non 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 jamais jamais jamais. Ok. Ouais, t'aurais pu mettre directement dessus ça par contre. Aïe. Je suis mort. En fait, le problème de mettre PK sur la sorcière, c'est que du coup, bah, elle va faire spawn ses squelettes et le PK va sur la vie. Faut que t'aies le timing. En fait, j'ai fait une erreur, je sais pas, j'étais plus dans la game, j'ai fait de la merde. Ouais, si tu veux tuer la sorcière avec le PK, il faut que t'attendes qu'en gros, elle fasse. Enfin, il y ait plus de squelettes autour d'elle et que tu sois sûr qu'elle fasse pas spawn ses squelettes. Ok. Ouais, ah, j'ai fait de la merde. Sport, non, j'ai gagné 48 gold, le chat me dit. Oui, ok. Ok, les gars, bon, première lose, deuxième lose, c'est pas grave. Ça arrive. C'était une game gagnée, c'était resté concentré. Ouais, j'ai fait de la merde. Ça, j'ai jamais passé, on est d'accord. Ouais, non, ça, ça fait trop mal, hein. Ouais. Donc le zap. Oh, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a deux qui connectent, waouh, pour deux délections. Le sorcier de glace, j'en. Ah, t'es pété. J'ai niqué à la boule de feu, lui. Ouais, boule de feu, one shot. Ah, one shot. Ouais. Là, t'as la bûche, non? Ouais, mais. Ah, ouais. Ouais, nickel. Fut de gobelin ou pas? C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ouais, fut de gobelin, force, force. Oh, PKVS, PK. Ouais, son PK va gagner forcément. Je nique comment son PK? Tour de l'enfer. Dragon d'enfer, dragon d'enfer, dragon d'enfer. Dragon d'enfer. Ouais, là c'est chiant du coup. C'était chaud, ouais. Ok, vrai, c'est ça bien. Ça va bien, le faire ça. En vrai, non? Ouais, ça va le faire, non? Ouais, avec le sorcier clash, je suis. J'ai la strat, t'inquiète, t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci Andy. Ça j'ai bien placé ou j'aurais dû le placer derrière ma tour? L'arche magique là t'étais même pas obligé de le mettre. Ah ouais? Ok. Ouais. En fait tu sors ces glaces, dis-toi que c'est pas une carte qui gratte beaucoup donc tu peux la laisser. Je peux la laisser taper ma tour. Taper. Exactement. Ah t'as pété. Si elle est toute seule. Hein. Notre vie en 200 QI. Merci mon ref. Merci. Merci pour les 1000 bits patate. Y en a... Ça joue beaucoup fut de gobelin en vrai mine de rien. Ouais, à ce niveau-là, ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Alors, il faudra faire attention parce qu'il a l'armée de squelettes, hein. Du coup, ça va être un peu embêtant, vu que t'as plus la bûche. Ouais. Torse électrique, peut-être. Nice. Parfait, ça. Il va sûrement PK. Ah non, il PK pas, il a plus assez pour le PK. T'as le fait à gobelin, non? Ouais. Ça part au four. Mais il va le one-shot avec son sorcier, peut-être, non? Le sorcier va pas taper direct vu qu'il est en train de taper le PK. Par contre, son zap one shot, ah oui, d'accord. Ouais, son zap il est cheaté, non? Bah, du coup, il est plus élevé que ton fuit à gobelin, quoi, en termes de niveau. Ouais, t'as oublié de défendre là. Bah, en fait, je savais pas comment défendre. Parce que si je mettais l'armée de squelette, le sorcier il allait niquer, non? Ouais, t'aurais pu mettre l'armée de quand même. T'aurais ah, j'aurais pu? Ok. Ouais. Je suis vraiment dans la merde. Hein. Là, tu peux mettre l'armée? Mais armée. Ok. Ok, faut que t'envoies ton fuit à gobelin. Nice. Attention à ce sorcier, faut pas qu'il connecte. Ok. Oh putain, le stress. Toi t'es à portée de bûche et de boule de feu. Hein. Voilà, nickel. Fais attention au sorcier. Nice, GG. Let's go, GG.
Let's go, ça. Demande à Wa de casse ton tournoi. Bah, je pense, les gars, on va tous le casse, le tournoi, on va être beaucoup, donc ça va être comme la saison d'avant. T'avais regardé le premier, t'avais bien aimé? J'avais kiffé de fou. Ah, t'avais regardé de fou, mais ouais, non, j'ai tout regardé, j'ai regardé toute la session. Bah, bien sûr, attends, j'avais coach Gotha et le Bouzeux, donc ah, je voulais ouais. que... Mais tu sais que le Bouzeux, je l'ai niqué 5 fois avant le tournoi, et je pensais pas il allait gagner. Ah, c'était Masterclass qu'il a fait, il a fait un peu de choses ce soir-là, c'était impressionnant. Mec, ce soir-là, putain. Ok, du coup, moi, j'ai Dragon de l'Enfer. Tu garderas Dragon de l'Enfer pour son P.K. Et Armée de Squelettes. Dragon de l'Enfer pour P.K., c'est bien. Dragon de l'Enfer, je le balance quand? Dessus, quand il est au pont? Ouais, tu peux le mettre maintenant. Ok. Est-ce que t'as des feux juste dans la main pour tuer les torseurs? Ouais, c'est magique, c'est bien. Marché magique, non, ça marche bien. J'ai tenté de percer à gauche aussi. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça met double pression. Ça prend la tour, hein. Ouais, ça prend la tour. Ah, le move à gauche était pas mal du coup. Ouais, la défend pas l'arche. Ok, je défends pas. Ok. Taïch, niveau 11 son machin. Merci pour ceux qui me souhaitent bon anniversaire en retard de ouf, mais merci les gars. Ça me tue, là, on a. Vous êtes des cracks, les BG. J'ai regardé aussi la vidéo de 50 minutes. Ah, de 50 minutes, t'as réussi à tenir? Oui. Oh, ça fait plaisir. Tu sais que c'est trop bien que je me dis, je fais des vidéos de 50 minutes, les gens arrivent à regarder en entier. Bah, en fait, pour se poser, tu vois, quand c'est. Enfin, t'as envie d'être chill, tu fais te poser tranquille, tu vois, tu te poses devant ça, tu manges un bout, c'est trop bien. Ouais, ouais, c'est carré, c'est carré. Oh, vous êtes des cracks. Bon, le PK, là, lui, tu fais comment, là? Je pars avec un électro sorcier derrière. Et un marché magique. Boule de feu. Boule de feu, ça. Ouais. Et j'aurais plutôt boule de feu, oh sorcière. Non. Alors là, c'est la merde. C'est un peu la sauce amoureuse. Je fais comment là pour défendre ça là? T'attendras qu'elle dépasse le pont et tu mettras une bûche dessus. Ok. Là, il faut bûche et rajoute quelque chose. Oh, mais c'est pas trop mal. J'ai failli faire ma bûche, gros, t'as vu ça? J'ai pas osé le dire, mais. Moi aussi, ouais, moi j'ai aussi. Ok, je tente un push, regarde, je fais quoi là? Envoie juste celui à Gobelin sur la tour de gauche. Ok. Comme ça, il va devoir sortir ses flèches. Ouais. Voilà, parfait. Voilà. Et je fais comment maintenant? Là, là, tu peux poser Dragon d'Enfer. Ouais. Dragon d'Enfer directement sur PK. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, il va falloir que tu défendes là. Je vais filer. Nice. Nice, il est parti clé les flèches. Ça va gratter. Ah, pas assez. T'inquiète, on va faire le job. Ok. À gauche, fais comment? Attention à gauche, attention. Sorcier électrique. Aïe. Ça va faire mal ça, non? Oh, il faut qu'il gratte. Ok, tu peux finir la tour à gauche avec boule de feu. Bien joué. GG mon ref. GG. Putain les gars, c'est monstrueux, c'est que des wins là. C'est que des wins, on arrive bientôt à 5000 trophées. Ah oui, est-ce que tu veux que je te montre le placement de l'artificier pour activer la tour du roi? Ouais, je veux bien. Vas-y, vas-y. Bah prends l'artificier, change de deck et prends l'artificier dans ton deck. Enfin n'importe quel deck, on s'en fout des cartes qu'il y a dedans. On s'en fout. Oui, on s'en fout des cartes. Les gars, regardez si vous voulez avoir une stratégie. Ou ouais, le fou il vous la donne. Moi je la connaissais pas. Je pense qu'il y en a qui la connaissent. On fait une game et on quitte direct après. Oui, oui, t'inquiète. Allez. Après tu me trois couronnes. T'avais un star aussi gros que ton salaire YouTube sur la vidéo et t'es sale. Dis-moi quand t'as l'artificier dans la main. Ouais, je l'ai. Bah vas-y, mets-le au pont. Je la mets au pont. Attends. Faut juste que je tue le gobelin sarbacane avant. Ou pire, mets-la. Okay. Mets-la n'importe où, t'inquiète. Alors c'est où le placement? Oh putain, ah ouais. Dis-moi si je réussis le bon placement. Bah là je l'ai pas prise dans mon deck, mais vas-y, mets une carte. Ok, là, je te mets une carte, tu me dis si c'est bon. C'est 3 au-dessus de la tour du roi, c'est là? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, vas-y je peux me 3 couronnes. Vas-y, je te 3 couronnes. Les gars, j'ai 3 couronnes, moi le fou. Hein. Attends, je vais finir vite les gars. Merci beaucoup Taylor. Une tour en moins. Voilà, ça dégage. Ouais le fou. Allez hop, ouais le fou. Il fait moins le fou. Voilà. Allez hop. Ouais le fou, c'est calmé. On me l'avait jamais fait ça de l'inox. C'est vraiment le premier quoi. Ouais le fou, il fait plus.
Ok, parfait. Ok. Vas-y, bah go, on en continue alors. Hein. Il manque 100 trophées pour atteindre les 5000. Vas-y, on va au 5K, mec. On va au 5K, on va au 5K. On n'est pas là pour jouer aux cartes, les gars. Non, je suis là pour mettre les rouges avec toi. J'ai pas ton deck. Ah. Merde, j'ai pas changé de deck. Alors là, ça va être dur. Alors là, je suis dans une merde. Je suis mort. Allez hop, c'est lose. C'est un truc de fou que dès que tu changes de deck comme ça, je me fais baiser là. Ouais, j'avoue que là, le m'y attendais pas, aussi, gros. T'as pas aidé. En fait, je m'y attendais pas à pas avoir mon deck. Ah oui, artificier niveau 7. Bah oui, j'ai artificier niveau 7. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Oh okay. Non, les gars. Je perds des trophées comme un con là. Je peux gagner là? Non, c'est impossible en vrai. Ça va être compliqué. C'est quoi les trois dernières? Ah ouais, mais tu sauras pas me dire. Regarde le move, regarde. Les pros vont s'inspirer de moi. Hein. Regarde bien ce move là. C'est un move de pro ça. Voilà, regarde, regarde la tour, regarde la tour. T'as vu? Je t'avais dit. Bon, reste pas mal, hein. Ça a bien gratté. Hein. Ok, faut que tu défends les princes. Aïe. Aïe. C'est la merde là, Sancho. Ouais, ça va faire mal là. C'est la merde, mon ref. Ça va bien se passer, j'ai. Il me reste encore une tour. Ah non. Ça va bien se passer, tout va bien se passer. Je suis mort. J'annonce, je suis mort. Tu vois, lui, il va activer le tour du round. Ah ouais. Bon, c'est vraiment pas. C'est un placement compliqué à faire. Ouais, la tour du roi, ouais, c'est tranquille, je pense. Eh, si je gagne, wow. Tu me suces ou le fou ou pas? Mec, tous les jours, gorge profonde avec. Ok. Bon, bah, je pense que tu me suceras jamais, hein. Je ne pense pas, mon ref. Ah. Bon, les gars, ça compte pas. J'avais pas mon deck. Il fait genre. Vas-y, toi. Hop, c'est bon, je remets mon deck là. Regarde, comme par hasard, je vais prendre mon deck, je l'allume. Hop, c'est bon, go. T'inquiète, là, mec, c'est fou, je casse un cœur. Tu préfères Zig ou Net? Les deux. Tu t'es fait avoir, mon ref. Hein? Tu t'es fait avoir, il voulait te faire dire Zig ou Net, en fait. Ah, mais toi, tu l'as dit, donc c'est toi, je t'ai niqué. Merde, bah franchement, elle était pas mal, cette bûche. Oh! Ok, faut que je me reconcentre. Reconcentration, le chat, c'est parti. Là, je la défends, la princesse, ou pas? Ouais, dragon d'enfer dessus. Dragon d'enfer dessus, carrément? Oui, oui. T'inquiète, c'est du 4x3. Hein. En vrai, ça a fait des petits dégâts, là. Ça gratte un peu, ouais. Ouais. Tu fais quoi, là? Sorcier? Okay, non, là, tu vas devoir bûche. J'ai bien fait d'attendre, en vrai. Oui. PK? Tout à fait. Non. Merde, mais squelette ou source électrique. Nice. Let's go. Là, tu vas pouvoir attendre et tu partiras PK full map. Ouais, j'attends et je mets un PK full map là. Exactement. Là, le combo arrive, le chat. Préparez-vous. Préparez-vous à mettre des flammes. Dès que mon combo est complet. Préparez-vous à mettre des flammes parce que ça va fumer. J'ai rien dit. Gardez vos flammes. Oula, dragon d'enfer, non, là il va se faire la veine. Et comment là, Walefou? Bah là, mon rêve, il va falloir que t'attendes un peu, que tu défendes ce qui va arriver. Nice. Ok, il faut que tu grattes un peu avec le feu à gommer du coup, parce que ton PK ouais, va falloir... Mon PK ouais, il passera ouais. Jamais. Hein. C'est un peu le problème, ouais. Et tu fais dragon d'enfer sur la princesse encore. Il enchaîne avec le soldat après ou pas? Ouais, mais sauf que là il va se faire avoir par la portée. Ok, là il faut que tu pêches.
Essaye de brain Luffy comme je t'ai dit. Ah merde, j'ai pas fait. Ouais, ouais, t'inquiète. Parce que là en fait à chaque fois il va juste ouais, le bûcher. À chaque fois il va mettre. Faut que je le mette bien après. Ok, c'est pas mal, ça gratte un peu. Je sais pas si c'était bon move ça. Non, en vrai c'est bien de défendre Luffy avec la boule de feu si t'as que ça dans la main. Ok, nice le pré-shot. Normalement, là, il va se faire avoir. Voilà. Tu vois, il s'est fait avoir. Ah il regarde ouais, ton regarde c'est surcheaté. Ah ouais, c'est surcheaté ta strat. Mais après, voilà, si le mec le voit, il va quand même mettre la bûche au bon placement, tu vois. Mais s'il le voit pas, bah du coup, ça gratte. Là, il va faire quoi là? Tu penses le. Bah, c'est bon. Oh la 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 la. L'actualité. Tu t'es échappé de l'asile, bref, ou... Je l'ai fumé, moi. Let's go. Allez, les gars, on leur montre. Et ce deck est trop bien, les gars. Donc là... En vrai, ça va, il est bien. Ok. T'en sors bien avec, en plus. Je sais pas si j'ai fait un bon... Non, parce que là, il va se faire one-shot. Il va se faire one-shot. Oh, il a niqué un zap. Il est con. Oui. Ah. Dans la mer, bébé. En vrai, ça va dépendre. Mais t'inquiète, je défends bien. J'ai mal. Alors là, t'aurais pu laisser... Ouais, t'aurais pu laisser le sorcier électrique gérer le ballon. Il mettait un mètre squelette sur le sorcier électrique. Ok. Apprends-lui le placement avec l'arche magique pour gratter la tour. En fait, c'est compliqué, les potes, de savoir comment fonctionne l'arche magique. C'est une des cartes les plus skill du jeu. Ah ouais? L'arche magique, c'est une des cartes les plus skill du jeu? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu le mets, tu vois, quand, par exemple, je sais pas, t'as un PK vs PK dans le camp adverse. Ouais. Tu vois, dans le camp adverse, en fait, tu peux mettre des placements d'arche magique pour que ton arche magique tape le PK et en plus connecte sur la tour. Ah ouais. Sorcier, je le baisse comment? Oh putain. Bah. Dragon d'Enfer, Titan, ouais. Ok, nice, que je pourrais. Bon, tu rajoutes l'armée long. Non, c'est pas grave, on me laisse comme ça, alors, du coup. Ah oh, ouais, ça. C'est une blague, c'est une blague. Ouais, PK 12 ans, PK 12 ans. Non, Mars, mon ref. Merci beaucoup, frérot. Ouais, je suis dans la merde, là, gros. Ouais. Là, je vais perdre, je pense. Attends, faut jamais dire que je vais perdre. Valkyrie, je la fume. Ok, c'est quoi qui met à chaque fois pour niquer mon PK? Un PK. Un PK, ok. Oui. Bon bah. Ouais, il faut que tu sautes sur ce électrique. Ah oui, son sens électrique qui me ken totalement en fait. Tu vois, là ton arche magique était pas mal, tu vois. Ton arche magique là aurait pu. Tu vois, là il va connecter. Regarde. Ah tu vois, ouais, il tape la tour en même temps en fait. Nice. Oh, je les move. Je les bait. Ok. On attends, peut remonter hein. Oublie pas qu'il a un ballon. Electro. Ouais, Electro. Boule de feu. Ouais, il va falloir que tu boules de feu en plus. Non, ça suffira pas. Ouais, tu vas perdre la tour. Je sais pas si ça prend la tour avec les dégâts de mort. Ok, là c'est l'Oli, non. Ouais. Non, je suis mort. Non, il a bien joué en face. Je suis mort. Tu vois là ton archer, regarde. Ouais, mon archer il fait des dégâts. Mais ça suffira pas. Dommage, t'as bien joué en vrai. Dommage, fais chier. Et là c'est quoi que j'ai fait de mal? Bah c'est la première défense sur le ballon, tu sais, avec la boule de feu, etc. Du coup, c'est en début de game, j'ai fait de la merde, j'ai perdu. Ouais, après t'as perdu trop d'élixir et du coup bah sur le push PK qui l'a mis, beaucoup de dégâts. Enfin t'as pris un coup de PK en fait, c'est ce qui t'a coûté cher. Ok. Est-ce que le chat vous passe un bon moment dans le chat? J'ai plus mal les gars. C'est grâce à vous, la tête de WAM, j'allais pas lancer de live. Je me suis dit je vais être avec les abos, on va jouer à Clash. Je vais oublier ma douleur. La tête de WAM, j'ai plus mal, je suis trop content. Après si tu veux je peux te faire un massage. Oh. Ambiance Bresson un peu là, Wallow. Ouais, écoute, Oh attends, c'est parfait là non? Ah non. Dommage. Un dragon d'enfer au PK sur le MK. Plus le PK si tu l'as. Ok, sorcier électrique. Zap.
Allez hop, ça dégage. Ça dégage. Oui, oh ça fait plaisir le chat. Si tout le monde passe un bon moment, c'est parfait. Ok. Ah hop, il est mort lui, c'est bon. Oh le PK. Le PK a fait son PK est un régal. Le PK est un régal. Ah, le PK m'aime bien. Alors ça dégage. Nice. Tu peux bûcher le tout. Ouais, c'est ce que je vais faire. Parfait ça, c'est imperfect pour l'instant. Hein. Je fais quoi là, j'enchaîne à gauche? En vrai, tu pourrais partir PK à gauche. Ouais. Ah. Aïe, le timing. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a un placement de dragon d'enfer pour le tuer. Il faut que tu tu vois le cercle de l'électrojambe. Il faut que tu décales le dragon d'enfer. C'est ça? Ouais, c'est un peu plus bas. Ouais, c'est pas mal là. Bon, tu vas prendre des dégâts quand même. Hein, mais... Ouais, je vais me faire allumer, mais. C'est mieux que si tu le mettais directement dessus. Okay, ça va, ça va. Faut que tu boules de Phébus la sorcière. Oh, le MK qui va me faire très mal. Oh, oh, oh le MK. Oh non. Oh non, oh, le dragon d'enfer aussi. Oh, le dragon d'enfer. Dragon d'enfer. Waouh. Ok, oublie pas de défendre la bouche quand même. Non. Ça pue là. Et comment, ok là, c'est pas grave, le tout. La tour de droite, en vrai, c'est pas grave. Ok, j'ai juste à bien défendre et j'ai gagné. Let's go, j'ai eu trop chaud sa mère. Ça sert à quoi quand il a le MK avec de l'or sur son plastron? C'est juste des skins de cartes. D'accord, ok. Ça changera quoi. C'est du flex quoi. Exactement. Là il finit à quelle heure? Bah dès qu'on arrive à 5000 trophées les gars. Je sais pas, je peux monter à 6000 trophées. Bon pas ce soir mais Avec ton niveau de carte là à l'heure actuelle non. Et comment je fais pour ça va me prendre combien de temps si je mets pas d'argent? En vrai longtemps. Ah ouais. Je sais pas, je peux pas te dire exactement. Ouais c'était long quand même de monter les cartes hein. En jouant en plus en jouant de temps en temps. C'est long. 2.6 en face. Je fais quoi? Mais faut que tu payes quand même. Il y a un deck 2.6. Ah ouais, c'est le même deck que tout à l'heure. Oui, oui, exactement. Et je l'ai gagné tout à l'heure, donc il y a aucune raison. C'est ma fête, bah bonne année, bonne fête, Stella. Ouais, le problème, c'est que le start de game fait mal. Ouais. J'ai un mauvais start, mais... Sa mousquetaire, je la boule de feu à chaque fois. Tu peux la boule de feu, mais fais attention parce qu'elle meurt, elle meurt pas. Elle meurt pas avec la boule de feu. Bah c'est bien pour la gratter, quoi, mais elle meurt pas, quoi. Bien joué. Ah ouais, putain. Son deck va me casser les couilles. Hein. Ok, nice. La bûche, elle a niqué son truc ou pas? Non, elle a pas niqué. Hein. Non, elle a pas niqué, mais ta bûche, en fait, a évité au cochon de mettre un coup. Ok. Ça va être dur. Ça va être dur de la gagner, le chat, celle-là. En fait, je vais niquer en x2 en fait. On tape PK Fumble, ouais. Je vais niquer en x2. Mousquetaire, je la fume Dragon de l'Enfer. Maintenant. Voilà, nickel. Je peux sniper le canon avec l'arche magique. Ouais, pas en plus, le mettre oublié parce que là, il va faire une value boule de feu. S'il est pas bête. Petite bûche. Ok, je sais où je vais mettre mon prochain feu de gobelin. Ok, attention à ce cochon qui va arriver. Putain, il pré-shot tout. Il est cheaté son deck, gros.
Mais quand je viens, je t'ai dit en compte tondé que ça va être compliqué de gagner contre Devant 6. Ah ouais? Parce que ouais, le souci c'est qu'il cycle très très vite et il a toujours un truc pour gérer tes défenses. Ouais, j'ai perdu là. C'est pas grave, c'est pour mieux gagner les prochaines. Mais là, je suis censé faire quoi, ouais, le ouf? Bah, en fait, dis-toi qu'il y a des games, tu peux pas. Il y a des games, Je pourrais jamais gagner, quoi. Il y a des games, c'est ça. Si le mec est meilleur que toi avec un deck comme ça, tu pourras pas gagner. Okay. C'est pas possible. Et je comprends pas qu'il puisse gagner avec un deck aussi merdique, en fait, gros. Non, le deck est vraiment. En fait, c'est... dis-toi que le deck, il. Enfin, sur le papier, il vaut pas grand chose, mais en fait, les défenses avec sont très fortes. Genre, la mousquetaire, elle est forte, quoi. Bah, la mousquetaire, ouais, si t'as rien pour la one-shot. Valkyrie. Ok. Archer magique. LKDS. LKDC, arrête-moi. T'abuses du bail, moi. C'est mon deck. Merci de cœur. Merci pour tous les subvirus. Ah ouais, tu kiffes ce deck? Ah, merde. Surtout pas il touche mon archer magique. Ah, c'est bien joué, ça. Mon archer magique, ça peut être trop une carte qui fait des dégâts, faut pas que je laisse mourir. Bah, c'est ça, c'est une bonne carte support, quoi. Ça met des moins 130 à chaque fois, là. Mais pourquoi les modos, ils kickent tout le monde, le chat? Il s'est passé quoi, là? Il se passe quoi, le chat, là? Je mets quoi, sorcier derrière? Sorcier ou furieux gobelin, peu importe comme tu veux. Ouais, je suis aussi pas mal. Parfait, en vrai, je laisse gratter. Hein. Oui, je t'aime bien. Je force pas. Ok, la tour à l'armée de squelette. Je l'ai pas. Dommage. Ok, ça va, t'as limité la casse. Ouais. J'ai limité la casse. Merci Virus pour les 5 subs encore. Merci mon ref. J'ai le temps là. Ouais, là faut que tu attendes un peu. Parce qu'il est un peu devant ton élixir. Je vais tenter de le mettre là le feu à gobelin. Bon. Ah, hop. Ah ouais, c'est direct. Hein. À la cala. Hein. Les modos ils clairent, je crois. Il se passe quoi avec les modos, les gars, mais. Ok. J'ai mon électro sorcier, non? Oh, mais il fait gobelin, regarde. Oh, oh. Non, regarde, ça prend la tour. C'est bon, ça prend la tour. Ouais. Bah, il a rage quit. Il a give up. Ah, il a rage quit? Ouais. Bah, en vrai, il a pas touché ma tour une fois, gros. T'es boss, hein. Non, je te dis, on peut aller faire les 5. On va aller faire les 5000 trophées. Mais après, les gars, si les modos ils bannent des mecs, c'est parce qu'il y a des insultes ou c'est parce que quelqu'un peut m'expliquer c'est passé quoi là? Les modos, vous êtes gazés. Arrêtez de faire la guerre contre les modos dans le chat. Les gars, si vous dites les modos les putes, c'est normal qu'ils vous bannent. Il y a un mec qui a dit les modos les putes. Oh! Ah oui, c'est oui. Les gars, respectez les modos, les gars! Le but, c'est que les modos sont là pour que ça se passe bien, les gars. Donc, si les modos font des trucs, ils le font pas pour rien. Donc, s'il vous plaît, mettez du respect sur les modos. Ils sont là pour le bien du live. Donc, ceux qui disent les modos les putes, ça dégage, ça prend un ban. C'est drôle, mais les gars, non. Après, s'ils bannent pour R, ça m'étonnerait, mais. Je leur ai promis. De toute façon, je vous ai toujours dit sur mes lives, les gars, il n'y aura jamais de ban def. Donc, ils bannent, mais ils sont bannent 600 secondes, les mecs, s'ils parlent trop ou s'ils font n'importe quoi. Ah ouais, pourquoi tu veux pas ban def? Même après, des gens qui insultent les modos? Bah, je banne pas def parce que ça se trouve, le mec, bon, il a fait le con, il regrette et j'aurais pas le temps de le déban, quoi. Tu vois? Ok, ok. Donc, je préfère pas le ban def, comme ça, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Mais en échange, je le banne tempo, quoi. 600 secondes. Ouais, bah, logique.
S'il recommence une deuxième fois, je le rebanne tempo. Après, par contre, il peut prendre son ban def. Ouais, s'il force, quoi. Et s'il vous plaît, les gars, soyez sympas avec les modos parce qu'ils sont là pour le respect du chat et tout, donc. Les gobelins, comme ça, je les laisse. Oui, oui. Et tu peux tenter un pégo pour mon ref. Vas-y, vas-y. Alors, il aurait peut-être fallu le mettre avant parce que là, ouais, le problème, c'est que le dragon d'enfer va. Ouais. Le dragon d'enfer, il va canner, non? Attention, il a l'armée de squelettes. Ah ouais? Oui. Tu la défends comment, celle-là? Pas besoin de la def, juste que tu défends du sens électrique. Ok, ça va rater un peu. Okay. Ouais, je pensais que tu partirais directement faut avec le dragon. Faut que je me repose, là. Ouais, ouais. Vous avez quoi à quelle heure demain le chat là? Ça se lève à quelle heure là? Ok. Il l'a mis au fond à droite, au fond à droite. J'ai trop le seul. Ok. Comment je fais là? Il va falloir faire attention à son sens électrique. Le problème c'est que tu peux pas le tuer. Oh, boule de feu. Ok. Putain, mais comment ça se fait qu'il me nique avec deux troupes, frère? Il a toutes ses flèches, il pré-shot tous mes moves. Ok, repart PK full map. Ok, j'ai une strat. Regarde-moi ça. Ouais, mais il y a son sorcier électrique encore. Ouais. Ah, mais en fait, j'ai compris, son sorcier électrique il me nique tout le temps. Ouais. Je viens de le comprendre, je suis un 2 de QI. Ouais, c'est dur. Soyons intelligents, Walofou. Tu peux repartir PK. Je repars PK. Et le but, juste que tu... c'est mais prendre bien la boule de feu, ouais, bien ça là, bien ça là. Je suis mort. Comment il prend pas, comment ça il se prend pas un one shot son sorcier électrique? Je comprends pas. C'est comme le sorcier, il faut boule de feu bûche pour le tuer. Ah c'est, bah ouais, mais le problème c'est que mais il a l'armée de feu de gobelins, je peux rien faire. Ouais, là c'est compliqué, il a un bon début de counter en vrai. Ok, écoute-moi, Walofou. Faut porter ses couilles à deux mains. Ouais, il m'en faut 4 perso, mais. Regarde bien. Allez, move. Parfait, ici, attends pas. J'enchaîne. Ici, je passe mon sorcier électrique. Il va rien faire. Ok. Ici, boule de feu. Voilà, fil gobelin. Sorcier magique. Putain, c'est dommage, j'avais bien joué. Ok, mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini, mon ref, hein. Faut que tu forces. T'as rien d'enfer pour défendre. Ok, PK. Faut que tu défends. Ok. Cycle. Ah non, la boule de feu, non. Faut que tu mettes feu à Golden Impulse sur la source, sinon tu vas perdre à cause des flèches. Non. Putain, gros, j'ai niqué ma boule de feu. J'avais oublié qu'on était... Ouais. J'avais oublié qu'après, ça se faisait à celui qui a le moins d'HP sur la tour. Oui, c'est merci, ça. Merci, Tom. C'est ah, ça, j'avais ça. Oublié. Merci, Mathis, aussi, pour ta donate. Merci, les gars. Dommage, les gars. Parce que là, si t'envoies du coup la boule de feu sur sa tour et que derrière, bah oui, tu défends correctement, derrière, bah, j'ai... Ça gagné, bah oui, j'ai fait de la merde. Mais j'avais pas capté que c'était celui qui avait le moins d'HP, putain. Pas grave, tu t'en rappelleras pour les prochaines. Ouais. Mais c'était une belle game, hein. Bien joué à la fin. T'es bien remonté, putain. Ouais, c'était chaud. Applique-toi. Ouais. Le chat, un maximum de flammes pour cette win. Regardez bien, je vais faire un perfect. Il va pas toucher ma tour, ce rat. Alors là, tu peux snipe la T2 avec l'arche magique. Si tu le mets directement au pont au milieu, là. Ici.
Normalement, ouais. Voilà. Oh, magnifique ça. Et comme ça, moi, la tête de meurt, et là, tu peux forcer avec lui à gobelin. Ouais. Voilà, moi. Et là. Et regarde, l'archer magique, regarde en plus l'archer magique. Ah ouais, l'archer magique de ouf. Mais il est incroyable, hein. Par contre, ça me nique toutes mes troupes, son sorcier. Ouais, mais ça va gratter quand même. Parfait. Je le fume au sorcier électrique. Ouais. Shit. J'ai estampé. Oui, j'ai estampé. Bon, il a touché ma tour, mais il a un feu de gobelin. C'est pas pareil, les gars. J'ai plus mal, les BG. J'ai plus mal. Alléluia. Le prochain push, il va perdre sa tour. Hein. Regardez bien. C'est parti. Push, perdage de tour. Ça va être sale. Valkyrie. Regarde le placement magnifique. Ouais, tu vois là, si tu l'avais mis en fait plus. En fait, tout droit. Genre vraiment, tu sais, pour que ça tape droit et que ça tape la tour en même temps. Ouais. Bah, t'aurais là, ça aurait continué de taper la tour. Alors que là, t'as mis qu'un seul coup. Ok, je vois. Ah oui, ok, ouais, je vois. Oh, l'archer magique par contre. L'archer magique, il carry, les gars, l'archer magique. Ouais, mais allez, hop, ça dégage. Je vous l'avais dit, hein, sur ce push, il y avait plus de tour. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, t'as oublié qu'il avait le feu à gobelin. Ouais, mais t'inquiète, j'ai hors de squelette. Boucle de feu, mais. Ouais, exactement. Parfait. Placement parfait. Allez, on met la pression, Wallouf. Ouais, t'as raison. Tu peux mettre sorcier électrique directement sur sa T2. Ouais, oh, parfait ça. Oh, allez, c'est terminé pour toi, mon ref. L'important, c'est de participer. On s'amuse, hein. Bon, je vais arrêter de faire le mec non plus parce que. J'ai ouais, toujours ça s'appelle vite, attention, ok. Je peux vite le me karma faire comeback. J'ai rien dit, c'est carrément gagné. Bien joué. Yeah. Allez, faut enchaîner maintenant là. Allez, on enchaîne, on enchaîne les wins. Les gars, votre avis, combien de wins d'affilée? Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Désolé, Titil Charo. On enchaîne. Là, on va passer la barre des. Ah non, on n'a pas encore passé la barre des 4900. Si on gagne là, on passe la barre des 4900. À chaque fois, t'as une game. Allez. C'est parti. Focus. Mais t'as vu, tout le monde joue foot gobelin, Wallouf. Mais ça, mais je te jure que normalement c'est pas le cas. Hein. Ok, je fais quoi là? Archimagique, ouais. Oh, dommage. Je crois que t'aurais pu même sorcier électrique au pont en fait. Je crois que le sorcier électrique avait la portée pour tuer. Ah, tu pour penses? Toucher la T2. Ouais, je pense. Vas-y, je fais rien là. Boza. Aïe. Lui, il va nous casser les couilles, son petit zap. Ouais. Je vais devoir l'allumer à chaque fois. Faut que je peux pas cycler pour faire en sorte qu'il l'a pas en même temps que moi. Si, c'est possible. Mais il cycle aussi très très vite en phase, donc fais attention quand même. Ok. Allez, il passe ou pas ce rush là? On espère, hein. En vrai, il a pu sauter deux dans le cycle. Boule de feu ou pas? Tu peux. Là, je vais piquer aussi. Bon, je veux quasiment le même deck, sauf que. Sauf que moi. J'ai rien dit. Oh, dommage. Là, ils ont fait l'archer. L'archer, c'est bon. Je tente le gobelin, fut gobelin archer. Ouais, il s'est pas fait avoir. Dommage. Pas grave, je gratte. Mais l'archer va bien gratter, ouais. Je fais comment là? BDF.
Ouais, PDF, c'est pas mal. Merci pour les 10 subs, Cops, putain. Merci beaucoup, mon ref. Parfait. C'est parti. Push final, les gars. Push final. Ok, sorcier électrique. Je crois que le sorcier électrique touche si tu mets. Ouais, nice. Allez, il a perdu sur ce move. Alors, attention, il y a quand même le PK pour DF. Nice. Oh, si attention, ça passe, sorcier électrique. Il a le level kill aussi. Ok, c'est du sale là. Merde. Oh, attention, attention. Sorcier électrique, si tu l'as. Aïe, il t'a pris shot. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais me reconcentrer. J'ai pas perdu. Ouais, stock, il a vraiment que le feu à gobelin pour gratter. Hein. Si t'arrives toujours à mettre petite bûche là. Non. Comment il savait que le truc il allait là? Il le voit, il le voit. Ok, l'archer qui a quand même gratté un coup, let's go. Allez les gars, faut qu'on la gagne. Là avec un archer magique, t'aurais pu snipe le PK pour que ça tape. Tu vois là, on est calons un peu à droite. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Allez, ça gratte. Ok. Ah oh non, t'aurais pu boule de feu à toi. Ok, c'est pas grave. Ah oui, 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 ok. Donc c'est pas grave, l'archer magique, regarde. Voilà. Let's go. On passe les 4900. Le chat a un maximum de flammes. On passe les 4900. C'est éclaté pour tout le monde, mais on a gagné de 400 trophées en un live. C'est monstrueux. C'est propre, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est là. Hein. Là, on fait un bon rush, là. Ça se passe bien, oui. Allez, let's go. On enchaîne. Si on gagne 3 games, on passe à 5000 trophées, Waleo. On espère, hein. On est là pour ça, mec. Mm-hmm. Merci le chat, merci les BG. En vrai, quand ils ont joué Valkyrie, je t'avoue, Valkyrie ça m'arrange pour mon deck qui joue Valkyrie. Tu vois là, tu peux encore mettre Archer Magique pour snipe la Valkyrie. Tu... Ok. Là, j'ai mis trop loin par exemple, non? Ouais, ouais, là, trop loin. Ok, là, niqué sa bûche, donc là, hop. Fais gobelin, ouais, c'est free. Moi, bon, voilà, il est mort. Là. Alors là, mon ref, c'est une tour. Hein. Alors là, mon ref, c'est la tour. Hein. Allez. Oh, il a bien défendu la boule de feu. Hein. Ouais. Ça l'a bien sauvé la boule de feu. Ça lui a sauvé sa game, crois-moi, ouais. Parce que là. Ah, sinon, ça allait barder. En vrai, tu peux refaire la même du coup. Ouais. Merci, Master Gaming, pour ta donate. Merci du fond du cœur, mon ref. Merci beaucoup, frérot. Ça fait plaisir. Ouais, Wam a trouvé un deck, Yael. Merci, mon ref. Merci beaucoup, mon ref Master Gaming. Tu seras pas obligé de la défendre la mousquetaire. Ouais, je la défends pas. Non. Ok. L'arche magique comme je t'ai dit. Non, mets-le quand même derrière le PK. Ah ouais, quand même derrière. Quand même protégé j'ai un peu, hésité ouais. Parce ouais, ouais. Que tu m'as dit. Ouais. Faut quand même qu'il soit protégé, tu vois. Le combo, c'est parti. Allez hop, t'es mort. T'as plus d'élixir. Aïe 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 on prend une tour les gars. Ok, il reste une minute à tenir. Ouais. On va mettre la pression direct de... Ouh. Aïe. Une erreur on a dit hein. On l'avait dit une erreur. Une erreur ça nique ma game. C'est pas fini. Mais t'as vu, il sort ça au double élixir pour pas que tu t'y attendes, c'est rare. Ouais. Ouais, t'as vu, il se réveille au double élixir, ce rabbin. Ouais, là, elle est en train de faire une des défenses, là. Et ben, on va la jouer comme lui. Ok. Faut que tu défendes à droite. Aïe. Ouais, il va prendre la tour. Hein. Avec lui, ouais. Ouais. Pas grave. Ouais, là, il fallait pas poser Pekal. Là en fait quand tu sais dans ce genre de situation quand tu sais qu'il est à deux doigts de prendre enfin, il reste plus beaucoup de temps pour prendre la tour, il va forcément tenter d'envoyer son ballon. Et du coup bah
t'aurais pu juste te défendre. Non, ça va être dur. Qu'est-ce qui se passe? Il va mettre son ballon là, non? Non, mais il va pas mettre tant, il va défendre avant, je pense. J'ai plus le bon cycle là. Ouais, ouais, il cycle plus vite que toi. Ok. T'as l'armée de squelettes. Nice. Donc ok, il force. Il appuie sa bûche. Le problème c'est que t'as un pourtant qui est le fût au mid. Ouais, il a la boule de feu de toute façon. Ça va être dur. Alors, ça, c'était pas nécessaire la boule de mes parmes. Fais attention, moi à chaque fois il met son armée squelette sur, sur ton PK, donc pré-shot la bûche. 1, 2, 3. J'ai le seum. Dommage. J'ai trop le seum. Dommage. J'ai trop le seum à une seconde près. Ok, l'arche magique, oublie pas, tu peux snipe. Hein. Non, ma boule de feu, non. Ok, ça pas cool. Faut que tu tentes le tout pour le tout. Hein. Ouais, je tente le tout pour le tout. C'est mon dernier rush. Ouais, ouais. Ok, il a plus sa boule de feu. Oh, mais il a son armée. Oh, c'est dommage. Putain, le... Wesh, Nicolas. Wesh, sinon que c'était bon. Merci pour tes 100 euros, Nicolas. Un max de merci, Nicolas, dans le chat. Un max de merci à Nico. Merci Nicolas, ça fait plaisir. Merci mon ref, merci du fond du cœur. Merci gros chien. Enfin, pas avec toi, hein, Nico. Il y a un autre mec qui m'a fait une donnée qui s'appelle gros chien. Merci mon ref. Merci Nicolas, t'as un crack. Merci beaucoup Nico, merci mon ref. La prochaine, je la gagne pour toi, Nico. Pour tout le chat. Merci Nicolas, merci du fond du cœur, hein, encore une fois. Hein. J'ai bien fait de pas aller aux urgences, j'aurais perdu 100 euros. Me la taille, tu vois. Oh la taille du rat! Il a dit j'ai bien fait de pas aller aux urgences, j'aurais perdu 100 balles! Oh le rat! Oh le rat! Oh il a bien joué sa bûche! Oh ouais, sa bûche elle m'a dévié! Ouais, il a bien joué là! Oh ouais, m'a niqué là! Ah, il joue le bait! Lui il joue bien non? Je m'en déconne, je m'en déconne. Il va me défoncer, non? Je pense qu'il va me faire le cul, là. Ça va pas être facile. Ah ouais, il va me faire le cul. Il va me refaire le cul. Comment ça, ça refaire mon ref? Ouais, t'inquiète. Ah, les gars, ça va être dur, ce combat. Faut juste que je counter sa TDE en fait. Oui. Je la counter comment là sa TDE? Bah soit l'archer magique du coup pour le snipe, soit le sorcier électrique quoi. Ok, il a raté ton PK. Ok, fais attention à sa TDE. Hein. Ouais, mais il la place bien. Allez, allez, fais zap. Parfait. Nice. Ok, force derrière là. Mets tout ce que t'as derrière. Hein. Faut que tu continues à forcer. Là. J'essaie d'envoyer mon feu à Gobelin, il voulait pas passer. Ouais, ça prend la tour, t'inquiète. Oh là là, parfait. Le chat, let's go! Merci Daroxy. C'est fini. Fais gaffe, hein, parce qu'on sait. Ouais, on se sait. On sait exactement. Merci Suck pour les subs. Ouais, je vois de fait, vous êtes trop chaud aussi ici. Mais merci qu'est-ce pour les subs, fait... Suck. Il troll? Non, il va juste prendre le tour à la fois, au fur et à mesure avec la roquette. Hein. Ok. Faut que tu défendes la princesse là. On va pas se laisser faire les amis. Hein. Ouais. En fait, 35 secondes, il faut vraiment que tu défendes H24 son fût correctement. Sa roquette, il lui en faut encore 2 ou 3.
Donc faut vraiment que tu gardes ta bûche pour son fût, c'est obligatoire. Ok, je garde ma bûche pour son fût. Oui. Genre là. Attention à la princesse au pont. Là c'était joué comme une merde mon PK, non? Faut que ça tue la princesse quoi. Nice, ok. Donc il faut juste que tu tiennes la def. Nice, GG. Let's go, let's go, let's go. C'est parti le chat, let's go. Dans combien de games là on passe 5000? Dans 3 je crois. Ah non mais on avait perdu une game tout à l'heure. Dans 3 games perdu, ouais. Dans 3 games. 3 games, le 3 games le chat. A partir de maintenant c'est 3 wins. Est-ce que vous avez passé un bon live le chat? Bon c'est pas encore fini mais. J'arrive 30 secondes. Vas-y t'inquiète. Est-ce que vous avez passé un moment le chat? La princesse, je sais pas comment la fumer la sorcière. Il m'avait dit PK hein, pour le fou. Attends, il a mis un rage sur ça? Ah ouais, alors lui, on va rien dire. On va rien dire. Allez, mon petit sorcier, ce serait bien qu'il fasse le taf. Ok les gars, c'est bon ça. Parfait. Allez, on va laisser mon dragon de l'enfer. Je vais pas push comme un con. Ok, j'ai électrozap donc c'est bon. Normalement ça va faire le taf. Sa tour elle est déjà dans la merde. Tu déchires, okay, c'est toi qui déchires. Ça va faire le job. Voilà, ça dégage. Ok, belle idée. Il va mettre une bûche, flèche, ok. Allez, ok. À chaque fois, il défend Valkyrie pour ça. Normalement, elle touche pas, normalement, elle touche pas, normalement, elle touche pas. Ok. Je me demande s'il a pas un deck archer magique qui marche bien pour en ladder pour un mètre 1. Oh le fou. Oh le ouf. Ah je crois il est mute. Bah je voulais demander pour toi mon ref mais je crois il s'est mute. Bon je pense qu'on a gagné la game hein. Je vais rien dire mais je pense qu'on gagne la game. Mon deck il marche bien là hein. Parfait, on prend la tour. Je vais leur mettre une boule de feu dans la gueule à tous les deux. Allez, parfait. On tente le 3 étoiles, le chat ou pas? 3 étoiles ou pas, le chat? Est-ce qu'on est insolent? Est-ce qu'on serait pas insolent? Je pense qu'on est des mecs insolents. En vrai, tu peux, hein. Oh, on est insolent. Ça se fera pas, mais. 3 étoiles, je suis insolent. Bon j'arrête là, j'arrête. J'arrête de faire le con. J'arrête de faire le con. T'as posé une question. Ah pardon, j'étais pas là. Ouais, deck archer magique en leader mètre 1, y'a un mec qui m'a dit. Juste avec l'archer magique? Bah non mais un bon deck avec archer magique, y'en a un qui a dit. Ah un bon deck. En vrai avec archer magique, y'en a. Le deck, je pense que ça va parler à certaines personnes, mais le deck de Rémi Lee, un des meilleurs joueurs français en leader. Il joue tour à bombe, mineur, sapeur, archimagique, tornade, valkyrie, boule de feu. C'est quoi le deck le plus skillé en mode de... Il y a un deck à 2.1. Il y en a mais c'est pas viable tu vois. Le deck le plus skillé comme je dis pour moi c'est le 2.6. Ah ouais. Après c'est très subjectif tu vois. Ça je défends juste armée de squelette, ça suffit. Oui, oui. S'il gratte un coup de temps en temps, on peut le laisser faire quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va mettre pour défendre le PK? Il est mort. Attention à gauche quand même. Hein. J'ai fait le con là. Son sorcier, j'aurais pas dû le laisser faire. Ouais. J'ai voulu pick up, j'ai fait le con. En fait, la bûche était bien, c'était une bonne idée, mais après, quand tu vois que ça passe pas, autant ne pas forcer. Ouais, faut que je l'après-shot tout à l'heure. Ouais. Si j'après-shot, je gagne une tour easy. C'est un peu ça. Après, si le pré-shot passe pas, bah t'es baisé. Ouais, si le pré-shot passe pas, je suis bien baisé.
Merci Axil, ça va et toi mon ref? Merci Yed, t'es un crack. Il vaut combien d'élixir ton deck? Combien d'élixir? 4? 3.9? 3.9 je crois, 3.9. Là tu pourras dragon d'enfer son bébé dragon. Ouais. Maintenant. Parfait. Et maintenant, 1, 2, 3. Non, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Dommage. Oh, j'ai trop le seum. Oh, mec, tu sais que c'était si près du but, gros. Ah, si ça passe, c'est magnifique. Hein. On n'est pas tous des rapoteaux. D'après les grosses dépenses. Merci, Nico, t'as un crack. Merci, mon rat, Nico. T'es un boss, Nico. Merci beaucoup. Tu as reçu Electro pour niquer le dragon ou pas? Non, là, t'as pas besoin de défendre le dragon. Okay. Ma tour de gauche est dans la merde, là. Hein. Ouais, faut vraiment pas que tu perdes une tour, quoi. Ouais. Faut que je... Là, faut que je me concentre. Ouais. Je fais quoi, là, le... ce truc de merde? Il m'énerve, son sorcier. Boule de feu, boule de feu. Je le BDF? Ok. Ouais, ouais. Là, t'as la bûche. Nice, voilà, comme comment tu tues tout. Et là, maintenant, tu forces derrière. Non, non, tu portes derrière. Ok. J'ai l'armée derrière. J'ai l'armée derrière. Serait... J'ai l'armée derrière. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Il a plus d'élixir. Il a plus d'élixir. Le coup de PK, parfait. On enchaîne. Toute l'armée derrière, c'est parfait. Ça déclampe. Allez hop, une tour en moins. J'enchaîne. Okay, j'attaque. J'ai rien dit. Pendant ma squelette, pendant ma squelette. Il y a eu un bug. Ça, oh le bâtard. Oh, j'ai le son. Oh non, t'as vu comment dommage. J'ai pris la confiance. T'avais gagné la game. Aïe aïe aïe. Voilà les gars, ne jamais prendre la confiance, sinon vous ferez nécra moi. T'as raconté à faire derrière. Oh le dragon de l'enfer, oh le dragon de l'enfer, oh le dragon de l'enfer. Ok, PK. Nice. Ouais. Allez les gars, cette win on l'a! Des flammes dans le chat! Encore pareil, le dragon de fer derrière. Ouais, faut que tu tues l'arche magique. L'arche magique, le sorcier, pardon. Oh? L'arche magique. Il est magistral! Let's go! Il est incroyable par contre. Mec, il est incroyable, mec, cet arche magique, gros. Parce que la meuf de la tour, elle a du mal à le tuer, hein. Bah ouais, vu que tu l'as niveau 11, du coup, c'est la carte la plus élevée du deck. Les gars, il nous reste une game. Une game. Il nous reste une game, oh le ouf. Une game, mais on passe à 5000 trophées, les gars! C'est la game du 5000 trophées, faut la mériter. C'est parti. Ça, je lui mets une bûche dessus à lui. Ouais, ouais. Parfait. J'ai encore pas mal d'élixir, hein. Ouais, ton pot. La squelette droite. Ouais. Oh, qu'est-ce que ça va. Ok. En vrai, ça m'arrange qu'il ait une Tesla de merde. Ouais. Ça va pas être facile à gagner, je pense. Ah ouais? Bah, il a un deck qui cycle vite. Hein. Ok, là, faut que j'économise, là. J'ai mis deux cartes qui valent cher. Je mets quoi derrière, Electrozap? Ok. Ok. Ça va faire mal ça. Ça va pas mal gratter. Oh là 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 là. Allez, on écono. Merde. Oh nice. Le contre-pré-shot est magnifique hein. Je l'ai fumé là hein. Le contre-pré-shot. Ok, tu vas pas repartir PK Fonda du coup. Ouais.
T'es qu'un fond de map, let's go. Ok, je te dis, mais les wins, celle-là. Celle-là, les wins, c'est la win 10, c'est la game des 5000 trophées, les gars. Ok, tu partiras Dragon d'Enfer derrière. T'es sûr que je fais pas ça? Non, Dragon d'Enfer, t'inquiète. Comme ça, je nique son... Ok. T'as le feu à gobelin envoyé, là? Ouais. Ça va faire mal, ça. Elle est in the sauce, là. Il est in the sauce, le coup. Elle est in the sauce. Oh, aïe, 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 mec. Les 5K. Oh là 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 là, ils arrivent, les 5K à trophée. 27 secondes à tenir, 27 secondes à tenir. Un 5K, ça se mérite, gros. Oh, attention, attention. Ok, mec. Oh là 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 là, mais mec. Oh là là mais mec. Là 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 là, ce lavage. 5000 trophées. Mec, on a fait un plus 400 trophées en une heure. Bah, t'es le boss, mec, hein. Envie de te sucer un peu. Mec, quoi. Bien joué, mais mec, c'est toi, gros, hein. Tu m'as donné la solution. Bah écoute, moi mec, je t'ai juste donné le deck, après moi je te donne quelques petits conseils, mais ça va, t'as une bonne base, hein. tu joues bien de base, hein. C'est pas... Mec, t'as géré, hein. Mec, 5000 trophées, hein. Mec, c'est quoi? Je vais essayer d'aller à 5500 au prochain live. Je peux ou pas, tu penses, avec ce deck? 5500, c'est peut-être un petit... Avec le deck, pourquoi pas, mais avec le niveau de carte, je t'ai dit, ça va commencer à être vraiment, ouais. vraiment compliqué. Faudra que je fasse comment, alors, là? Je suis obligé de payer, là, si je veux monter. je vais pas te dire oui parce que en fait sur le long terme, tu vois, sur le vrai long terme, tu pourras monter tes cartes, mais ça va être long, tu vois. Là, si tu veux monter vite, la case carte bancaire est obligatoire, quoi. Bon bah elle va y passer, prochain live Clash Royale, la carte bancaire va y passer, le chat, hein. Merci pour les GG dans le chat, merci beaucoup les gars, 5000 on les a eu. Bah t'es le boss, mec. Bah merci à toi, gros, merci d'avoir pris le temps de m'aider et tout, et je te souhaite de passer plaisir. Une bonne soirée, et de toute façon à l'occasion on se recapte. Bah pas de soucis, avec plaisir mon ref, merci si à mère, toi. Mon ref, bah passe une bonne soirée et t'es un crack. Merci de m'avoir pris le temps. C'est toi le crack. Merci bisous beaucoup. Mec, ciao ciao. Bon les gars, on a réussi, je suis content, on est passé à 5000 trophées, on a trouvé un bon deck. Ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir. Si vous voulez que je vous montre mon deck pour ceux qui veulent monter en trophée, Walefou m'a fait un trop bon deck, donc ceux qui le veulent et qui ont ces cartes là, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous allez passer tous une bonne soirée. Merci d'avoir été là, n'hésitez pas à mettre vos derniers pouces bleus avant de partir, la cloche de notification, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, ça fait plaisir. J'ai plus mal, donc les gars, comme quoi, quand tu t'es concentré dans un jeu et tu penses à autre chose, bah t'as plus mal. C'est un Doliprane naturel. J'ai plus du tout mal. Peut-être que j'aurai mal tout à l'heure, mais en tout cas là pour l'instant j'ai plus mal, donc c'est que c'est pas urgent, je pense. Je vous souhaite tous de passer une bonne soirée, les gars. C'était trop cool. Merci de m'avoir accompagné. Vous êtes des cracks. N'hésitez pas à me follow sur Insta, Twitter. Sur ce, des gros bisous tout le monde. Bonne soirée. Bonne chance à tous. Je live demain. À demain en live. Ça fait plaisir. Tchuss. Super live, frérot. Merci. Ça fait plaisir. Azer1 qui était là depuis le début du live, je crois bien. T'es un crack. Merci.